Amen. I'm just going to talk briefly before the main message will come from the daughter of the Lord. Je vais parler brièvement avant que le message principal nous vienne du servant du Seigneur, le fils du Seigneur. In the book of Hebrew, dans le livre d'Hébreux, dans le livre d'Hébreux, ça arrive. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. We are dealing with the living Jesus. Nous parlons d'un Jésus vivant. The Jesus that came, I told you, is the God of creation that came into the world in human body. Le Jésus qui est venu, je vous en ai parlé, c'est le Dieu créateur qui est venu dans ce monde avec un corps humain. He came for the purpose of human salvation. Il est venu avec l'objectif de sauver les hommes, de saluer l'humanité. And because he came to die, he put on the body of man that can die. Parce qu'il est venu mourir, il a pris le corps d'un homme qui pouvait mourir. He resurrected the third day. Il est ressuscité le troisième jour. And since then has been making himself known to people. Et depuis ce moment-là, il se fait connaître aux gens. He has been speaking to his church. Il parle à son église. In our day, de nos jours, we are noticing some wonderful things. Nous remarquons des choses merveilleuses. That Jesus would take somebody in a spiritual way to hellfire and to heaven to see eternal things and bring them back to the earth. Les choses extraordinaires telles celles que Jésus veut prendre quelqu'un, l'amener dans les flammes de l'enfer, lui montrer des choses et le revoir et l'amener au ciel. He wants us to know that heaven is a reality. Avec un objectif, c'est que nous sachions que le ciel est une réalité. And the hellfire also is a reality. Et les flammes de l'enfer sont aussi une réalité. There are people who say, how can somebody go to heaven and come back? Il y a des gens qui disent, mais comment quelqu'un peut aller au ciel et revenir? Paul tells us that he has been there. Paul nous dit qu'il a été en Éruge, il a été là-bas. The Lord took him there and he has some great things. Et que le Seigneur l'a amené là-bas et il a entendu des choses extraordinaires. And encouraged him. Qui l'ont encouragé. Of course, help him to write these things better for us. Et cela l'a amené, l'a aidé à écrire, à mieux écrire ces choses pour nous. So God uses many methods to take people to heaven. Dieu utilise plusieurs méthodes pour amener les gens au ciel. Some of this involves somebody dying on earth. Parfois même quelqu'un meurt sur la terre. And going to come back. Il s'en va et il revient à la vie. Now there are people who say, how can someone die and come back again? Les gens disent, comment quelqu'un peut mourir et revenir? Are you asking God? Est-ce que tu demandes à Dieu? Don't we say with God, all things are possible? N'est-il pas dit qu'avec Dieu, toute chose est possible? With God, all things avec are Dieu, possible. Toute chose est possible. He does what he wants. Il fait ce qu'il veut. He is able to do it. Il est capable de le faire. And some people are quoting Lazarus. As Abraham's bosom and Lazarus. Lazarus. Les gens parlent d'Abraham et de Lazare. You know, Lazarus died and was found in Abraham's. Lazare est donc mort et il s'est retrouvé au sein d'Abraham. And the rich man said, send Lazarus to dig the tip of his finger. Et l'homme riche a dit, envoie Lazare qui met son doigt dans de l'eau. And Abraham said, it's not possible. Et Abraham lui a dit, c'est impossible.
It's not possible. Ce n'est pas possible. And then the rich man said, send Lazarus back to the world. Alors le riche a dit, envoie Lazare dans le monde. Renvoie-le dans le monde. And Abraham said, oh, they have the prophets there. Et Abraham a dit, ils ont les prophètes, ils ont les ministres là-bas. Let them hear them. Qu'ils les écoutent. Now the question is, la question est la suivante. That conversation, was it going on between the rich man and God or the rich man and Abraham? A human being. La conversion là dont il est question, est-ce qu'elle se passait entre Dieu et le riche ou entre Abraham et le riche? Are we getting what I'm saying? Vous me comprenez? Is that conversation between the rich man and God or the rich man and a fellow human being with him? Est-ce que le riche parlait avec Dieu ou avec un maître humain comme lui? Is Abraham God? Est-ce que Abraham est Dieu? Is Abraham God? Est-ce que Abraham est Dieu? Jesus looked at a situation and said, with man, this is impossible. Jésus a regardé cette situation et a dit, avec l'homme, cela est impossible. But not with God. Mais pas avec Dieu. For with God, tell me parce everybody. Qu'avec Dieu, avec Dieu, répétez avec moi, avec Dieu, tout est possible. That which was impossible with Abraham is not impossible with God. It is possible with God. Ce qui était impossible avec Abraham n'est pas impossible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Because with God, all things are possible. Parce qu'avec Dieu, toute chose est possible. If God decides to send someone from hell to the earth, he can do it. Si Dieu décide de prendre quelqu'un et l'envoyer en enfer ou l'enfer sur la terre, il est capable de le faire. What Abraham cannot do, God can do it. Ce qu'Abraham est capable de faire, Dieu peut le faire. And today, et aujourd'hui, I'm presenting to you someone that God has demonstrated his power alive. Je vais donc vous présenter quelqu'un avec qui Dieu a démontré sa puissance dans sa vie. She died. La personne est morte. And went to hell. Elle est allée droit à l'enfer. And suffered the torture of demons in hellfire. Et elle a expérimenté la torture, la souffrance des démons à l'enfer. And when they were torturing her, they told her what they were torturing her for. Et pendant que ces démons la torturaient, ils lui ont dit ce pourquoi ils la torturaient. She thought that she had ended up in hell. Elle a pensé que c'était la fin avant l'enfer. But it was divine plan to make her pass through this eternal reality and send her back to the earth. Mais c'était un plan divin qu'elle passe par cette réalité, n'est-ce pas, et qu'elle revienne sur la terre. And she was taken to heaven. Et elle a été cette fois-là amenée au ciel. Again to see the beauty of heaven. Et là, c'était pour voir la beauté du ciel. And then the Lord said, come back and tell my people what is so. Je lui ai dit, va dire à mon peuple ce que tu as vu. Today, aujourd'hui, it is not opening the Bible that she will do. Elle ne va pas ouvrir la Bible. She will tell what she heard and what she saw. Elle va dire ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a vu. But the wonder of it is that while she is telling what she heard and what she saw, you will see the pages of the Bible answering to it. Le fait sera le suivant. Quand elle va vous dire ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu, les pages de la Bible vont s'ouvrir pour confirmer ce qu'elle dit. Amen. You will just see the Bible alive, speaking the same language. Vous allez voir que la Bible est vivante et elle parle le même langage. To tell you that God is true. De vous dire que Dieu est vrai. Amen. Jesus Christ is true. Amen. Jésus est vrai. Amen. Heaven is true. Le ciel est une réalité. Hellfire is true. Le feu de l'enfer est une réalité. He that believes in the Lord Jesus shall be saved. Celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé. He that rejects Jesus shall be damned in hell. Mais celui qui rejette Jésus sera condamné en enfer. So I'm going to welcome our beloved sister Linda. Je vais donc inviter notre bien-aimée, ma sœur Linda. Praise the Lord. Amen. I greet you all in the name of Jesus. Salut le nom de Jésus.
I'm happy to be in your midst. Je suis content d'être avec vous. As a child of God. Comme un enfant de Dieu. And this is the message that the Lord gave to the church. Et voici le message que le Seigneur donne à l'église. And the church is not only for Sierra Leoneans. L'église n'est pas seulement pour les Sierra Leoneans. But the church, the message is for all over the world. Mais l'église est pour le monde entier. And I thank God to be in Cameroon. Et je remercie le Seigneur d'être au Cameroun. To share the message that the Lord Jesus gave me 2013. De partager avec vous le message que le Seigneur m'a donné en 2013. Maybe many of you have heard about Sister Linda, or you have heard about the testimony. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont parlé de Sister Linda et ou du témoignage. Before we go to the testimony. Avant d'aller au témoignage. I want us to stand on our feet and worship the King of Kings and Je souhaiterais qu'on se lève et qu'on adore le Seigneur de Seigneurs. I want you to thank Jesus that He keep you up to this time. Que vous remerciez le Seigneur. I just want you to say, Lord, I appreciate you for my life. Je remercie pour ma vie. I thank you for keeping me up to this time. Je remercie de m'avoir gardé par la grâce. Because without you, Lord Jesus, I'm nothing. Parce que sans moi, je ne suis rien. Thank you, thank you. Say Jesus, we thank you. Dis Jésus, nous remercions. Father, I thank you for keeping me up to this time. Merci de m'avoir gardé pendant thank you for sending this message to guide me. Merci pour m'envoyer ce message. Father, we thank you. Lord, we bless you. Que nous puissions bien nous remercier. In Jesus' name. We bow.
Give me the song. I want to read a scripture to you. You will give me the song. For you to know that the same God yesterday, today, and forever. Vous compreniez que vous sachiez que Monsieur Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 1, verset 1 à 2. Hébreux 1, verset 1 à 2. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Dieu ayant enseignement autrefois par nos pères par les prophètes. Hath in this last day spoken unto us by his son. Il nous a parlé en ces jours qui sont déliés par son fils. Whom he has appointed heirs of all things. Qu'il a établi héritier de toutes choses. By whom also he made the world. Et par lequel il a également créé le monde. This scripture is telling us. Ce passage nous dit. That God has appointed Jesus to speak to the world. Que Dieu a envoyé Jésus pour qu'il puisse parler au monde. God has been using prophets to tell the people about him. Dieu a utilisé les prophètes pour parler de sa part. And the message I'm going to give you, the testimony is from the Lord Jesus. Et le témoignage que je vais partager avec vous vient du Seigneur Jésus. For you to know that he's still alive and he's still doing his will. Pour que vous compreniez qu'il est encore vivant et il accomplit encore sa volonté. Before I share the testimony with you, avant de partager le témoignage avec vous, I want to tell you brief about my past life. Je veux parler brièvement de ma vie passée. For you to know that the Bible is complete when the Lord said he died for sinners. Pour que vous compreniez que la Bible est vraie lorsqu'elle dit que Dieu est mort, que Jésus est mort pour les pécheurs. For you to know that the Lord really wants me to change and to share this testimony. Pour que vous compreniez que le Seigneur a voulu vraiment que je change afin de partager ce possible témoignage. Maybe you'll be thinking that she is a born again Christian, she has been in the Lord and just 2 years in the Lord. Vous pouvez penser que je suis un enfant que depuis très longtemps, mais ça fait seulement 2 ans. My name is Sister Linda Rika. Voilà son nom, Sister Linda. And I acquired this name Rika 1 year now because I married to Pastor Paul Rika 2014 last year. Justement, j'ai eu ce nom il y a seulement 2 jours parce que 2 ans, je me dis, parce que c'est il y a 2 ans que je me suis marié avec le pasteur Rika. If you have been hearing about Sister Linda from Sierra Leone. Il y a 1 an. 1 year now. Yes. 1 year now. We married to Pastor Rika last year. Il y a 1 an. If you have been hearing about Sister Linda from Sierra Leone, I'm the Sister Linda. Si vous avez parlé de la sœur Linda de la Sierra Leone, c'est moi. And Sister Finda, she's my younger one. Et Sister Finda, c'est Linda. C'est ma petite sœur. I want to tell you that as the Lord was arresting people in the Bible, appear to them, change their life, as he did to Saul and become Paul, Mary Magdalene, this was the same thing that happened to me in 2013. 2013. Okay. Je vous dis que la même manière que le Seigneur saisissait les gens, il avait fait avec Paul, il avait fait avec Marie de Madeleine, la même chose qui m'est arrivée en 2013. I grew up in a Christian home. My father was a Christian, my mother was a Muslim. Je suis grandi dans une famille chrétienne. Mon père était chrétien. Mon père était donc chrétien et ma mère musulmane. But they died young and leave us. I have 2 sisters and 1 adopted brother. Ils sont morts jeunes et ils nous ont laissés. J'ai 2 sœurs et 1 frère d'adoption, par adoption. Because of the hard life of living, I become the black sheep in the family. Black sheep? Black sheep, like a wild child in the family. Right. À cause de la dureté de la vie, je suis devenu comme l'enfant sauvage de la famille. I was deep in the things of the world, the pleasure of the world. J'étais en profondeur dans les choses du monde, les plaisirs du monde. But still I was going to church. Mais je continuais à aller à l'église. I was doing all I can to survive in this world. Je faisais ce qui était de mon mieux pour survivre dans ce monde. Because I was the one taking care of myself and the younger ones with my elder sister. Parce que je devais m'occuper de moi-même et de mes jeunes frères. So when I entered the college to further my education, je suis allé au collège pour continuer avec mes études. I was appointed to be a leader among we ladies, about 25 of us. J'avais été nommé comme étant dirigeant des femmes, environ 25, un groupe de femmes de 25. And because of our wild life, all these fashion things, the nickname of our club in the university, in the college was Dress to Kill. À cause de notre mauvaise vie,
notre vie bizarre, vraiment de méchanceté, on nous avait donné un nom, n'est-ce pas, habillé pour tuer. Because as we dress, we go out, we make sure that men lost after us. Parce qu'on s'appuyait avec un seul objectif, que les hommes nous convoient quand nous sortons. I was deep in the pleasure of the world. J'étais en plein dans le plaisir mondain. All this clubbing, this party, I was found in it. Tous ces clubs et tous ces groupes-là, je me trouvais, j'étais à l'aise là-dedans. All this naked dressing the Lord Jesus is warning us about, I was in it. Tous ces habits-là qui montrent la nudité, j'étais en plein là-dedans. Les habits qui montrent les formes du corps. All this smoking, drinking alcohol, I was doing it. Je fumais, je buvais. All this fornication, the Lord is warning single ladies, I was doing it. Dans la fornication que le Seigneur interdit aux femmes célibataires, j'étais là-dedans. All this asunder, the Lord is warning young people to put asunder between married people, we are dating married men. Là où le Seigneur disait qu'on devait respecter le mariage, nous on suivait les mariés. All these worldly things, doing all kind of things, putting attachment, tattoo the body, drinking, all this party clubbing thing, I was in forward of it. Tout ce qu'on peut faire de mal, le tatouage, les clubs, j'étais là-dedans. But I was still a senior sister in the choir. Pourtant, j'étais la responsable, la chorale. And I've never had my pastor those days preach about holiness. Je n'avais jamais entendu mon pasteur prêcher sur la sainteté. All the preaching in the church I used to attend was prosperity. Yeah. Tout ce que j'entendais dans l'église là où j'étais, c'était le message de la prospérité. They will tell us it doesn't matter the way we dress if the heart is not pure. On nous disait que, n'est-ce pas, peu importe comment vous vivez, la foi c'est dans le cœur. But by the grace of God, my younger sister came in contact with a church called Watchman Catholic. Catholic church. Watchman, charismatic. Watchman. Okay. Ma soeur est entrée en contact avec une église catholique de branche charismatique qu'on appelait Watchman. And then that was the time my younger sister and I opened to the true doctrine of God. Et alors donc sa pensée a commencé à être ouverte, la doctrine ouverte sur la doctrine de Dieu. I can remember one day my sister came back from a service like this and she was crying. Un jour elle rentrait d'un culte et elle pleurait. And she was talking to us, me and my elder sister and the other family members. Et elle s'adressait, parlait à nous et d'autres membres de famille. That we are going to hell. Que nous allons aller en enfer. So me, I'm a person that I don't believe. Moi, je ne crois pas facilement, je ne crois pas. So when she was telling me that Lisa, your dressing has condemned you to hell. Ce qu'elle disait, ton habillement te conduit en enfer. I know you love God because you see the way I'm serious in the things of God. There's a crusade, the pastor will see us that we are a vibrant youth in the church. Je sais que tu aimes Dieu parce que quand on va dire campagne ou autre chose, des activités à l'église, nous sommes là-dedans. You will see the way I will sell things to go and sow seed in the church. You will see the way, my sister will see the way I will sell property for go and sow seed in the church, like building up houses. Elle voyait voilà justement comment je devais vendre les choses et aller semer à l'église, la doctrine de la semence. Elle voyait comment je faisais ce genre de choses. So my younger sister was telling me that all this, your effort you are doing to the church will go in vain. Et ma soeur me disait que tout ce que tu fais à l'église, c'est en vain que tu le fais. So when she started condemning my dressing, my trousers, my waistband, all these things because I was bleaching my skin as if I'm a white person. Elle a commencé à condamner tout ce que je faisais parce que je me décapais. Je ressemblais à une blanche, ma peau avait changé. So my younger sister was telling me this, your life will carry to hell. Et elle me disait que cette vie là-bas te conduit à l'enfer. But I was looking to my pastor's wife, I was looking to my pastor because the pastor do signs and wonders, deliverance. He said the Lord says. So I was telling my younger sister, if you say this thing is condemned, why my pastor that is hearing the voice of God did not want us in the church? Et moi je regardais mon pasteur, je voyais comment sa femme s'habillait. Il disait à Bénisseur, si tu dis que nous allons à l'enfer, comment se fait-il que mon pasteur fait des miracles, il accomplit des prodiges, il délivre les gens? And when you look around, you see the great men and pastors today in the gospel, in the Christian race. You see them, they do signs and wonders, they are the father of Christianity today. All of them, they dress like this, put on chain, put on ring, their wife dress this kind of way. Why God is not telling them, it's only you and your pastor, I do not believe. Quand vous regardez les chrétiens aujourd'hui, vous voyez les pasteurs, ils ont les chaînes, ils ont les chevaliers, ils ont tout genre de bijoux. Voilà, quand ils font des miracles, ils font des genres de choses. Toi, tu me dis que ceux-là ne sont pas secteur de Dieu. Seulement ton pasteur, je ne te crois pas. Those days, I don't proud of anything natural on my body. À l'époque-là, je n'avais rien de naturel sur mon corps. You see my eye, I put eyelash. Au niveau de mes yeux, je mettais les faux cils. You see my nails, I put false nails.
Au niveau de mes doigts, je mettais les faux ongles, les ongles des Chinois. Sur la tête, j'avais les cheveux des Chinois. I always dress, always my breast is out. That's why I tattoo my back, my hands, so that they will be showing outside. Et quand je m'habillais, c'était les décolletés plongeants, tous les seins étaient dehors. Et c'est pour ça que je mettais le tatouage pour qu'on puisse voir ma peau. And even this thing you are seeing today, this is tattoo. Some of you maybe you think it's eye pencil, this is tattoo. Ce que vous voyez là au niveau de mes sourcils, là, vous pouvez penser que c'est la peinture. En fait, c'est le tatouage qui est resté. Ce que vous voyez là aujourd'hui. I don't like wearing skirts. Je n'aime pas porter les jupes. I just thought that dressing like this is the old woman, is the old fashion. Parce que moi, je pensais que celles qui s'habillent en jupe, elles sont démodées, les vieilles femmes. And no man will see you again attracted to it. Et tu vas attirer qui quand je t'habille comme ça? Quel homme est-ce que tu vas attirer? So I was rejecting the doctrine and the message of my younger sister. Alors, j'étais le message de ma jeune sœur, de son pasteur. For years, my sister has been fasting and praying that God. Et ma sœur a jeûné et prié pour moi pendant des années. Because in my family, I was really wild. We have other ones that don't believe, but me, I was running. Parce que dans ma famille, j'étais véritablement sauvage. Il y a beaucoup de païens dans ma famille, mais moi, j'étais très sauvage. So on one day, un jour, I was with my friend. J'étais avec mon ami. 2013 February. 2013. My younger brother called me. Mon jeune frère m'a appelé. That one of our neighbors have died. Que un de nos voisins est mort. A man that used to live closer to us. Celui qui était notre proche voisin. And this boy, I used to know his life when. Je connaissais sa vie avant. Because in the area you have bad girls, you have bad boys. All of us we sit under a tree and be smoking and be talking. Parce que dans la zone là, vous aviez des mauvaises filles, des mauvais garçons. Et on se trouvait ensemble souvent sous les arbres pour discuter, causer. So when my younger brother. I was staying with my friend. He called me and said, "This was what has happened in the area." Alors mon jeune frère m'a appelé, m'a dit, voilà ce qui s'est passé dans notre zone là-bas dans la zone. So I was shocked and moved. J'étais choqué, j'ai été touché. It put fear in me. Cela a mis de la peur. Because when you are in this sinful world, you don't think about death. Parce que quand tu es dans ce monde de péché, tu ne penses même pas à la mort. We the youth, we only think about we are young, we have long life to live. So anything we have, it's frightening us. Les jeunes gens pensent qu'ils sont jeunes, ils jouent la vie, et quand ils entendent la mort, très souvent ils sont effrayés. So I attended a burial service on the 13th of February. Je suis allé à l'enterrement le 13 février. I like to sit back of the church. Je vais m'asseoir derrière l'église. Because sometimes the way you dress, even the eyes of the people who put shine, you will sit behind. Parce que à l'époque là, la manière de m'habiller, les yeux des gens même jugeaient. Vous préférez vous cacher derrière. So I was sitting there with my younger sister Finda. J'étais assis dans avec ma petite sœur Finda. So when the pastor was preaching on the disease, quand le pasteur prêchait sur la mort, the pastor said the Lord, he said something upon him that this boy is resting in heaven. Il dit quelque chose, il a dit que ce gars-là est au ciel. So I have to say to myself, je me suis dit à moi-même, this boy, I know this boy. Je connais ce garçon. He's a womanizer. C'est un coureur de jupons. He smokes cigarettes. Il fume. He drinks alcohol. Il boit de l'alcool. We used to meet in the nightclub. On se trouve souvent en boîte de nuit. If God says this boy is entering heaven, me too, I'm going to heaven. Si Dieu dit que le jeune garçon va entrer au ciel, moi aussi je vais entrer au ciel. Because the pastor said the Lord has spoken and this boy is resting in heaven. Parce que le pasteur disait que le gars là est au ciel. So I come to my younger sister. J'ai dit à ma jeune sœur. I said, have you heard? Je lui ai dit que tu as suivi. You like condemning me. Tu aimes me condamner. You want to say, do you know the Bible more than this pastor? Tu veux dire que je connais la Bible plus que le pasteur là devant? Now the pastor has said God has just spoken to me. Le pasteur dit que Dieu lui a dit que le monsieur là ira au ciel. Me too, I'm going to heaven. Moi aussi je vais entrer au ciel. So I was happy with the preaching. J'étais content de la prédication. Because this is the kind of preaching I like. Parce que j'aimais ce genre de prédication. To feel comfortable in my sin. Pour me sentir à l'aise dans mes péchés. So as I was sitting there happy in my heart, pendant que j'étais content dans mon cœur, I was praising the pastor. I said, I like this kind je of pastor. Je vois le pasteur, je disais que voilà un vrai pasteur. Immediately, a thundering voice, une voix comme le tonnerre. All these years, people have said, how the voice of God will speak to me. I don't know. I was asking, how God speak? Pendant des années, les gens disaient que Dieu m'a parlé, Dieu me parle. Je me demandais que Dieu parle, comment je compare. So when I heard the voice, quand j'ai entendu la voix, that you are going to die. Que tu vas mourir. I turned back of me. Je me suis retourné. I thought there's somebody that is whispering to me. Parce que quelqu'un était derrière qui me parlait. I did not see nobody. Je n'ai vu personne. I said, it's me talking to myself. Je dis mais si je me parle à moi-même. No, this is not me. Dis, non, ce n'est pas moi. So I keep quiet. Je suis resté tranquille. And then all of a sudden. Soudainement. The voice came again. La voix est revenue. Then you are going to die. Tu vas mourir. So I turned to my sister. J'ai dit à ma soeur. I said, Finda. J'ai dit Finda. Something is telling me I'm going to die. Quand je me dis que je vais mourir. Do you hear anything?
est-ce que tu as quelque chose? So she was not happy with my dressing. Elle n'était pas contente de mon habillement. Because sometimes if I just go to church, I think I'm going to party. Parce que quand je m'habillais, je m'appelais à l'église, c'était comme si j'allais au bal. So she just looked at me and said, we'll talk about that later. Elle allait en parler plus tard. But I was sad in the church. Mais je servais à l'église. Even when the pastor keep on preaching, I did not hear well again. En fait, quand j'étais à l'église, j'étais assis là, passé la parole. Même quand le pasteur prêchait, je n'entendais plus ce qu'il disait. Fear just come over me now. La peur est soudainement venue sur moi. Nobody will hear the message of death, you'll be happy. Personne ne peut entendre le message sur la mort et il est content. Subitement, j'ai commencé à sentir comme si j'avais le palu. So even when they were carrying the disease to the cemetery, so go and enterrer le cadavre. I did not follow them. Je les ai pas suivis. I was still sitting. J'étais assise. I leave the church seat outside the church compound. I sit outside the church. Je suis assise dehors à l'église. And then they carry the disease to the cemetery. Et on a amené le cadavre au cimetière. Because this voice will just come like 5 minutes, it just hints me like this and then go back. Parce que la voix la venait, elle me dit quelque chose et rentre. So when Finder come back. Lorsque Finder est revenu. She said, why are you sitting so sad? Pourquoi tu es triste? I said, this thing, this voice, I don't understand. La voix là, je ne comprends rien du tout. So she told me, let's go to the house. Là, t'es rentré à la maison. So when we went home, quand on arrive à la maison, I went straight into my room. Je suis allé directement dans ma chambre. Because I was like, the parent and my elder sister stay in America, we have a house for our own. I own the house, I have my own room. Ok, c'est comme je dis ça. En fait, j'avais ma propre chambre dans notre maison. Nous, c'était dans des lots, j'étais aux États-Unis. Moi, j'avais ma chambre dans ma maison. So I went inside my room. Je suis allé dans ma chambre. So after some time, après un temps, I told her, I said, this voice is still telling me I'm going to die. Me dit que je vais mourir. She prayed for me and said, sleep. Elle a prié, elle a dit, dors, elle a prié pour moi. I went to bed. Je vais mourir. On the 14th of February, le 14 février, which is Valentine's Day, qu'on appelle le jour de la Saint-Valentin. I don't know if Cameroon or Valentine's Day. Yes, of course. La Saint-Valentin. Le jour de l'amour des amours. So my friend, they call me. Mon ami m'a appelé. Because they know I like party, I like enjoyment. Parce qu'ils savent que j'aime les bars, j'aime les fêtes. So my friend called me and said, I'm making party in my house. Et mon ami m'a appelé, m'a dit, il y a un bar chez moi, il y a une soirée dansante chez moi. But the way she had me over the phone, I was very dull. De la manière dont elle m'avait entendu over the phone, j'étais faible, j'étais triste. Because me, as you say party, I will scream over the phone, I will say enjoyment today. Parce que quand tu disais fête ou bar, ça, je poussais un cri de joie au téléphone. So when she had me, I was so dumb. Elle a senti que j'étais plutôt discount. She said, ah, why are you not happy for the party? Mais pourquoi tu es discontent? Tu n'es pas content pour la fête? And I said, since I attended the burial service yesterday of that boy, j'ai décidé plus que j'étais à l'enterrement de ce garçon hier. A voice from nowhere will be telling me that I'm going to die. Une voix qui me dit que je vais mourir. So my friend laughed. Mon ami a dit. And said, come over, it's because you're in your right senses, that's why. Elle a dit, viens, c'est parce que tu n'es pas dans le sens. By the time we finish a bottle of whiskey, the voice will vanish. Quand on va siffler une bouteille de whisky, il a terminé, la voix va s'arrêter. And I said, ah, it's a good idea. J'ai dit, c'est une bonne idée. So I take my bath. J'ai pris, je me suis habillé. I dress and I went over to his. Et nous sommes allés chez elle. So when I reached there, everybody was party, drinking, smoking. Quand je suis arrivé là-bas, tout le monde buvait, dansait. So my friend brought a bottle of whiskey. On avait amené une bouteille de whisky. And was telling me with a glass with a block inside, a cube of block inside. Et là, nous avons amené un verre avec des glaçons à l'intérieur. And he was telling me, by the time you finish this one, everything will vanish. Elle a dit, après un verre, cette voix-là va disparaître. So as I poured the whiskey inside the cup, pendant que je versais le whisky, I want to carry it and drink. Je voulais prendre le bois. The voice multiplied the voice the other day. La voix s'est plutôt multipliée, elle a augmenté. All my body was shaking. Mon corps a commencé à trembler. My heart was as if it's coming out. Mon corps était comme s'il va s'écrouler. So mon cœur. My friend gave me this one. I was looking as if I'm looking. Et mon ami a remarqué que je regardais comme si je voyais quelqu'un, je cherchais quelqu'un. So I dropped the cup. J'ai déposé le verre. I rushed outside. Je suis sorti. Want to take taxi and go back home. Je voulais prendre un taxi et rentrer. So my friend went after me. Mon ami m'a suivi. And she said, what happened, Linda? Why are you behaving like this? Pourquoi tu es bizarre? I said, this voice, I'm telling you, people are not hearing it. La voix là, monsieur, vous ne me comprenez pas. So I take a machine to my house.
Ils ont pris la moto pour la maison. So when my younger sister, my brother saw me coming, that was not my time. They know if I go out for enjoyment, I will not even come, I will come late. Mais mon frère savait que quand je rentre comme ça, ce n'était pas l'heure normale parce que je revenais toujours tard. So when they saw me, they said, what happened? Quand ils m'ont vu, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? I start crying, I enter the room. J'ai commencé à pleurer, je suis dans la chambre. So she prayed for me. Elle a prié. On the 15th of February, le 15 février, I woke up by 6 a.m. in the morning. Je me suis levé vers 6 h du matin. What wake me up, I did not know. Ce qui m'a réveillé, je me souviens, je ne savais pas. But when I opened my eyes, I saw myself in my room. Mais quand j'ai ouvert mes yeux, je me suis vu dans ma chambre. I start feeling the pain I've never felt before. J'ai commencé à sentir une douleur que je n'avais jamais ressentie avant. I see they are using knife to cut my life, my throat in the spirit. On prenait un couteau afin de me gorger, couper ma gorge. Every tie was tight for me. I cannot breathe well. Tout semblait si serré, je ne sais pas respirer. And I was okay. I go to bed okay. So only the voice that was confusing me. Je me suis dit pour aller au lit normalement, seule la voix a créé à moi la confusion. So the thought of death just came to my mind. I shouted my younger sister. La pensée de la mort m'envahissait et j'ai ouvert ma bouche, j'ai appelé ma jeune sœur. So when I called my younger sister, Finda. J'ai appelé Finda. She rushed into my room. Elle a couru dans ma chambre. And then she asked me what happened. Elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. And I said, pray for me, I'm dying. J'ai dit pardon, puis moi je suis en mourir. She can see the way I was trying to say something. Elle a vu comment j'essayais de respirer. One of my hands was in my throat and the other was stretching to her for help. Une de mes mains était au niveau de ma gorge et l'autre main était tendue vers elle demandant de l'aide. So she said, okay, leave the bed, calm down. Elle a dit, quitte le lit et viens. So when I want to stand on my legs, quand j'ai voulu me mettre sur mes pieds, I noticed there is no light there again. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de vie. I fell down on the ground. Je suis tombé sur le sol. And then she was like, what is going on? Et elle se demandait qu'est-ce qui se passe. And then she started seeing flush coming out of my mouth. Et la barbe a commencé à sortir de ma bouche. She called our adopted brother, our young brother. Sir, come with water. Viens avec de l'eau. So my younger brother rushed with the water in the room. Venu avec de l'eau dans la chambre. He too, when he saw me, was passing. Les têtes dépassées. He said, what is happening? Qu'est-ce qui se passe? And Vina was saying, I don't know. She just said she wants to. She's dying. I don't know. Elle dit qu'elle allait mourir. Je ne comprends rien du tout. Je ne sais pas. So they start pouring the water on me. Pouring the water on me. Ils ont versé de l'eau sur moi. They pour the water on me. Pour the water on me. Versé de l'eau. So I start crying. I start rolling. All you people are watching me. I'm dying. J'ai dit, mes frères, vous me voyez mourir et vous regardez. So Vina took the phone and called two of our family friends. Elle a, ma petite soeur a pris le téléphone. Elle a appelé deux membres de famille. And when they came, when they were in the house. Elle était à la maison. And then Vina said, let's see what is happening. Fina dit, regardez ce qui se passe. I was rolling, I was crying, I'm dying, je I'm dying. Je me roulais par terre, je criais, je suis en train de mourir. I prayed, go to the toilet, as if I want to use the toilet. I went to the toilet, nothing come out. J'ai rappelé, je suis allé aux toilettes quand je voulais uriner, rien n'est sorti. So my younger sister said, ma jeune sœur a dit, Linda, be peaceful, sit down here, let me lead you to Christ. Sois calme, que je te conduise au Seigneur, Linda. Let me pray for you. Je vais prier pour toi. So she sat down, elle s'est assise, and laid me on her hand like this. Elle m'a mis sur ses bras. De cette manière. And she said, elle a dit, say this word after me, Linda. Pray après moi, répète cette prière. Say, Lord Jesus, Seigneur Jésus, come into my heart. Viens dans mon cœur. My mouth was stiff. Ma bouche était fermée. My teeth cramped, gathered together like this. Mes dents étaient serrées. Elle ne s'ouvrait pas. La bouche ne s'ouvrait pas. They carry spoons, start to fight to open the teeth. Ils ont pris la fourchette pour essayer d'ouvrir mes mâchoires. And Finda was pressing my mouth like this. Pendant tout temps, Finda pressait ma bouche. And I started seeing my sister crying. J'ai vu comment elle pleurait. And she started talking, Linda, please say Jesus. Elle disait, Linda, s'il te plaît, dis Jésus. And I noticed me too, after now, the power I get to say a word. J'ai constaté qu'il ne pouvait même plus rien dire, il n'y avait plus de force. The only thing that was coming out of my mouth, my eye, was water. Tout ce qui sortait de moi, c'est de l'eau. But I was talking in my heart, what is happening with me? Et je me disais dans mon cœur, mais qu'est-ce qui se passe? So I see the way she was shaking me. La manière j'ai vu la manière dont elle me secouait. The way I was feeling, as if they were pressing me, I was weak now. Je sentais comme si on me pressait. I started giving up. J'ai commencé à abandonner. Because the pain was too much for me. La douleur était atroce. So I started weak. I started giving up. J'ai donc commencé à rendre comme rendre là. My eyes started dimming. Mes yeux semblaient se fermer, devenir sombres. My younger sister took notice as if I'm leaving them. Ma soeur a constaté que j'étais en train de les quitter. So she will shock me like this. Leave me, wake up. Réveille-toi. And after hearing that, I said, God, you will not do this to me. Et elle disait, tu vas me faire cela, Seigneur. My parents have died, my grandmother has died. This is my sister, you will not take her now. Mes parents sont morts, tout le monde est
maintenant. Tu vas encore prendre ma soeur maintenant. Say, God, who will take care of me? God, don't tu ne vas pas prendre soin de moi, ne fais pas ça, Seigneur. But I cannot say anything to her. Je ne pouvais rien dire. So I came to hear her dim, I came to hear her far off. J'ai commencé à l'entendre comme si la voix s'éloignait. And then I just noticed I take the last breath and the last strength I have to breathe. J'ai constaté que j'ai poussé mon dernier soupir et j'ai lancé mes derniers efforts. And all of a sudden, soudainement, I did not see them again. Je ne voyais, les voyais plus. I did not hear them again. Je ne les entendais plus. When my eyes opened now, quand mes yeux s'ouvraient, I saw myself in a strange place. Je me suis trouvé à un endroit étrange. I saw myself in a road. Je me suis trouvé dans une route. Walking to join the queue of people that I've met there. Je devais rejoindre la queue des gens que j'avais rencontrés là-bas. I was looking left, looking right. I said, where is this place? Where am I? Je regardais à gauche, alors je me disais, mais où suis-je? I did not know that this is not my soul, because my soul looked like me. Je ne pouvais pas imaginer que c'est mon âme, puisque mon âme était exactement comme moi. And I see other people. I saw some people standing in front in a long queue, like a road, like where you are walking, marching. Et j'ai regardé les gens marcher à la queue de l'eau comme une route, comme les gens qui sont au défilé. And I saw these people too, as if they are curious, they are looking left, looking right, then too, I think they are wondering where they are. Et les gens, j'ai compris qu'eux aussi, ils regardaient à gauche à droite, comme s'ils s'interrogeaient, ils se disaient, où sommes-nous ici? So when we keep on walking, I keep on following them in the queue. Et comme moi aussi, je les suivais dans le rang. You will not see any other road or whatever. It's not that one you follow with the people that are going. Tu ne peux rien dire. Toi aussi, tu suis seulement le nom. And I look at the end of us. Where the road ended, it's like a bridge, like a tunnel, like a cave. The road entered there. Et j'ai regardé devant. Il y avait comme un pont, comme un tunnel. Et là, la route s'arrêtait. So when we keep on going, pendant qu'on continue à avancer, I start feeling heat. J'ai commencé à ressentir. I don't know where the heat is coming from. I'm not seeing sun. I'm not seeing fire. Je ne savais pas d'où venait la chaleur parce que je n'entendais, je ne voyais ni le soleil et je ne voyais pas le feu. Je ne savais pas d'où venait la chaleur. Where the heat is coming from? La chaleur la vient d'où? As we keep on walking again, pendant qu'on marchait, I start hearing voice of people. J'ai commencé à entendre les voix des gens. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So where am I going to? Je fais où? Where are these people crying from? Les gens, les cris là viennent d'où? When I saw in front of me, c'est quand j'ai regardé devant moi, I would see a dark cave entering here. J'ai vu une cave toute noire qui entrait, qui a fait une sortie d'une cave toute noire. So I make up my mind and say, I'm not going there. I don't know where I'm going and I'm hearing voice and the place is too dark. J'ai décidé que je ne vais pas là-bas. Je vais ouvrir parce que je parle plus. So now I make up my mind to stop the journey to go back. Alors j'ai dit, je m'arrête ici, je ne continue plus. That's the time I noticed I don't have power of my own. Là que je constate que je n'ai plus de puissance. I can't control myself. Je peux me contrôler. My mind is telling me stop. Ma pensée me dit arrête-toi. But my leg is walking carrying me. Mes pieds marchent seuls. As if somebody is under duress. Comme si quelqu'un est en train de me pousser, de me diriger. I start crying. What is going on? I can't control myself. C'est grave. Je commence à pleurer. Je me contrôle même pas. Fear comes into me. La crainte, la peur est venue. I say I cannot enter that dark place. Why I can't control myself? Je ne peux pas entrer là-bas. Pourquoi je ne peux pas m'arrêter? I can't. I start saying God help me. Jesus help me. J'ai dit Jésus aide-moi. Jésus aide-moi. Dieu aide-moi. Where am I? Où suis-je? But that was working. The power was carrying me. Pendant ce temps, c'est la puissance qui me faisait marcher. So when I saw in front of me, quand j'ai vu devant moi, I heard a voice coming out of that dark place. J'ai entendu une voix sortant de cet endroit de ténèbres. When they came out of that dark place, lorsqu'ils sont sortis de cet endroit, I saw giants of demons with horns. Giants. Giants of demons. J'ai vu des démons géants avec des cornes. They have tail. Ils avaient des queues. And they have this tartar wing. Et ils avaient des ailes, des grandes ailes. And their face looked like lion. Et les visages ressemblaient au lion. When I say giant, they are higher than man. Quand je dis les géants, ils sont plus géants que des hommes. And the way they would be staring at you, looking at you like this. Et la manière dont ils te regardaient. And I saw the way anyone that is getting close to them, the way they would grab that person, start dragging the person. Et j'ai vu que tous ceux qui s'approchaient de ces démons-là qui arrivaient à leur niveau, la manière dont ils les attrapaient. After saying, oh God, help me, Jesus, you say, we never leave me, help me. Et j'ai commencé à dire, pardon, Jésus, aide-moi, tu as dit, je ne vais jamais m'abandonner, aide-moi. I think I was sleeping or I was dreaming, I started walking my head, Linda, wake up, what is going on? J'ai pensé que je rêvais, j'ai dit que je suis en train de dormir, j'ai commencé à taper ma tête, j'ai dit, Linda, réveille-toi, c'est le sommeil, réveille-toi. When I open my eyes, I'll see myself closer to there. Et quand j'ouvre les yeux, je me trouve face à une année. I start crying, I say, oh God, help me, don't carry me to these people.
people. J'ai dit, hey, Dieu, aide-moi. Il m'a même pas chez les gens là. When I get close to the demon like this, je suis arrivé à côté du démon. He was so high more than me. Le démon était plus géant que moi. He watched me with a terrible look. Il avait un regard terrible dont il m'a lancé. The hatred that the Lord Jesus has said in the Bible that the devil hates us with passion. That is what the devil was looking at me like way. Comme il y a un verset qui dit que le diable hait Jésus d'une manière particulière, c'est cette haine-là qui sortait des yeux du regard du démon. And I start shouting, God help me, Jesus help me. Jésus aide-moi, Jésus aide-moi. He just dragged me like this. Il m'a attrapé comme ceci. And start dragging me right inside. Et il me traînait à l'intérieur. As we enter the dark place. Et pendant qu'on entrait dans le ténèbre, I did not see anything again, total darkness. Je ne voyais plus les ténèbres totales. But the heat was increasing more than fire on earth. Mais la chaleur augmentait, elle était plus forte que le feu sur la terre. I start screaming, J'ai dit, laisse-moi tranquille. And as he was dragging me, I noticed when you are turning something, we are turning a tunnel, going down like this. Ok, j'ai vu qu'au fur et à mesure qu'on allait, c'était comme un tunnel qui on tournait, au fur et à mesure qu'on tournait, je m'enfonçais. We are going down on the earth, going down. He was turning me like when you are turning somebody to come down. You are turning the person, going down. You can feel the way they were turning you, going down. Un peu comme si on appuyait une vis, n'est-ce pas, à entrer dans un groupe. Puisqu'on me tournait, en fait, moi je servais de vis. On entrait dans les profondeurs de la terre. Je ne faisais que m'enfoncer. And when we reached down, et quand on va arriver en bas, he just dropped me like a dead meat. Elle m'a juste imaginé lancé comme une viande morte. When he dropped me, quand il m'a jeté, my eyes opened. Les yeux sont ouverts. I see oceans of fire. J'ai vu les océans de feu. I saw the fire will come up like a mountain like this, high like this, and then will fall down again. J'ai vu les flammes se lever comme des montagnes, un peu comme des vagues, et se rabattre à terre. And I saw hear scream. People are screaming and are smelling bad smell in the place. Et les gens criaient, il y avait des odeurs nauséabondes dans sa place. I saw people are saying, Lord have mercy, Jesus, how is that you take me out of here? This place is terrible. I start crying. I said, God have mercy on me, where am I? J'entends les gens crier, Jésus, cet endroit aussi est terrible. Sors-moi de là, Seigneur, aide-moi, Dieu de moi. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, où suis-je? I said, Jesus, please show up, sois mercy on me. Where am I? The place was terrible. J'ai commencé à dire, Jésus, Dieu de moi, où suis-je? C'est un endroit terrible. You will hear a scream of somebody who's crying. My God, show me mercy. Vous entendez quelqu'un crier, un cri effrayant. Dieu, aie pitié de moi. I said, Jesus, show me mercy, where am I? Et j'ai dit, Jésus, aide-moi, où suis-je? Aide-moi de moi, pardon. Jesus, show me mercy, take me out of this place. Aide-moi, enlève-moi cet endroit si c'est petit de moi. Oh, have mercy on me, oh Lord. Aide-moi de moi, je t'en supplie. As I was busy crying, pendant que je pleurais, my body was hot and my body was melting. Tout mon corps criait. He hit in the hell, I was scared. I said, God, I want to drink, have mercy on me. La chaleur de l'enfer était indescriptible. Dit, Seigneur, aie pitié de moi, je t'en supplie. And then the demon came in front of me like. Le démon est venu devant moi. And then he called my name. Et le démon m'a appelé par mon nom. Said, Linda, you disobedient child. Et il m'a dit, Linda, fille désobéissante, rebelle. You disobey the word of God. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Today. On va te torturer aujourd'hui. You people that are disobeying the word of God. Vous les gens qui disobéissent à la parole de Dieu. We know many will not stand. They are coming here. On sait que les autres arrivent. You say you did not believe. Now you believe. Tu as dit que tu ne crois pas là-bas quand tu es là-bas. Maintenant tu vas croire. And I was still asking, where am I? Je me disais où suis-je? And then the demon say you don't know where you are. Le démon dit que tu ne sais pas où tu es. The demon say you have died. You are in hell. Tu es mort. Maintenant tu es en enfer. And the demon say Jesus. Tu as dit Jesus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Because when my other sister would tell me, because I am, you don't come back, Linda. Parce que. When my other sister would tell me, in hell, they will cut you off, you will not die. Et elle me disait qu'en enfer, si tu vas là-bas, tu ne reviens plus, il y a que c'est éternel, tu ne vas plus mourir, tu ne vas plus revenir. I said, God, have mercy on me, I will say. En enfer, je ne peux pas. Je disais, Seigneur, aie pitié de moi. The demon told me. Le démon m'a dit, I will torture you here today. Je vais te torturer jusqu'à la fin aujourd'hui. This is hell. Voici l'enfer. You say you do not believe. Tu disais que tu ne crois pas à l'enfer. Now I'm going to touch on you. Maintenant je vais te torturer. Sin that you don't believe that it's a sin. Comme tu ne crois pas que c'est le péché. Because other things you know. Parce que les autres choses tu savais. Fornication, lying, you know they are sin.
de la fornication, le mensonge, ça n'est que le péché. But other things that brought you here with those other ones that you don't know, I will torture you for that so that you feel the pain. Tout ce que je ne savais pas que tu me disais, tout ce que tu dis que je ne croyais pas en cela, je vais te torturer afin que tu sentes la douleur. Immediately he said that word. Après, immédiatement qu'il a dit cela, I just felt the chain me like this, chain me like this. J'ai seulement senti le chien me saisir comme ceci. Where the chain come from, I don't know. D'où était venu le chien, je ne savais pas. And I noticed I was naked. J'ai constaté que j'étais nu. I was not alone. J'étais seul, j'ai dit, Jésus, aie pitié. I cannot stand this heat, I cannot stand this heat. Je ne peux pas supporter cette chaleur. And then the demon laughed. Et le démon riait. And said, that righteous man has abandoned you. Et il a dit, le juge là que tu invoques t'a maintenant abandonné. All of you that disobey his word, he's going to abandon you people. Tous ceux qui abandonnent sa parole, il va vous abandonner aussi. And then he said, who told you to cut your hair? Il m'a dit, qui t'a demandé de couper tes cheveux? Who told you to carry the property of our property on your head? Qui t'a dit de porter nos cheveux sur ta tête? Don't you know that we want this our property? We want all this attachment is our property. Ne sais-tu pas que les perruques, ces faux cheveux, si ça nous appartient? Who told you to change the texture? This dying, we are dying our hair, tinting it. Who qui t'a dit de changer la couleur de tes cheveux? De teindre tes cheveux. Who told you to barb your hair like a man? Because I used to barb my hair like a man. Qui t'a dit de te coiffer comme un homme? J'avais seulement des coiffures des hommes. Don't you know the Holy One has told you that your hair is a glory to God? Tu ne sais pas que la Bible dit que tes cheveux sont la gloire de Dieu? This Bible you are not reading. The demon, they know the Bible more than you. La Bible que vous négligez, les démons connaissent la Bible plus que vous. They will use the Bible to judge you. Ils connaissent la Bible pour vous condamner à l'enfer. And I start crying and say, nobody told me, please forgive me. J'ai dit aux démons, personne m'a dit pardon et pitié. My pastor did not tell me that mon pasteur m'a pas dit, il m'a pas dit, mon pasteur m'a rien dit. And then you say you did not read it in the Bible. Et le démon a dit que tu n'as pas lu ça dans la Bible. Anything make it a lie, we don't enter in that holy place. Tu ne sais pas que tous les menteurs ne trompent pas cet endroit là, c'est la pensée. Is that hair your hair? Is the hair that false hair? Is this your hair? Est-ce que les faux cheveux là étaient tes cheveux? How did they call the false hair tie? On appelle les faux cheveux là le mensonge. And anything make lie on your body will not enter that holy kingdom. Et tout ce qui est mensonge sur ton corps n'entrera pas au ciel. So when you say you do not hear, nobody told you about false hair. Et quand il disait que personne m'a parlé des faux cheveux. You say you do not read it in the Bible. Il dit mais ce n'est pas dans la Bible. I have to lie. I said I did not go to school. C'est là-bas j'ai montré que je ne suis jamais à l'école. Please show me my hair. I did not go to school. Excusez moi, je n'étais pas à l'école. And then the demon look at me and said, lie. Il a dit le mensonge qui était ton péché favori et devant moi tu mens encore, je vais te torturer aujourd'hui. And then the demon said, le démon a dit, the same way you are an axe, you will go to this place, you will put it in you and try to design your hair. La même manière que tu étais sur la terre là et on mettait les choses pour faire des coiffures sur ta tête. This is the same way I will design your hair. C'est la même manière là que je vais dessiner tes cheveux. Mais. And I saw the demon turn like this. Et le démon s'est tourné. He was going to a place like when they put this drink, they display all kind of wicked instruments there. Instruments to torture people, yes. Instruments. Okay. Yes. Like knives, scissors, all the things. Il s'est tourné dans un endroit où il y avait comme des genres d'instruments de torture, les ciseaux, les couteaux. And the instrument was inside fire, they would put it like this, it would be hot. Et on chauffait ces instruments là, les ciseaux, les couteaux, on mettait ça au feu comme ça devenait rouge. And I saw the demon was carrying one of its sharp objects. Et j'ai vu comment le démon a pris l'un de ses objets très tranchant. And he came and he started walking slowly towards me. Et il est venu marcher doucement vers moi. And I started crying, I said, please help me, Siomi, nobody told me, please help me, Siomi. Et je pleurais, je disais, pardon, personne m'a enseigné ces choses-là, pardon. Jamais, même jamais mettre les faux cheveux, plus jamais. Plus jamais me défuser, jamais, jamais. Même jamais faire les cheveux, c'est fini. Aide-moi, pardon. The demon was looking at me, I was coming slowly. Le démon, lui, il avançait doucement vers moi. As he came close to me like this. Il s'approchait de moi. And then he sat it in my head. He sat it in my head. Il a pris ce sept instrument, je l'ai mis sur mes cheveux. He removed it this other side. Et il était sorti de l'autre côté. The demon a fait de ma tête tout ce qu'il voulait, il a mis tout ça dans ce moment-là. I was crying, and no voice from me. Je criais et la voix ne sortait même plus. The pain was knocking all
tête et jusqu'à aller dans tout le corps. Said, oh God, you say you will never leave me. J'ai dit, tu ne peux pas dire que je vais abandonner. Il dit, oh God, you will bless me. Je vais dire, je vais dire, je vais dire, c'est pour ça que je mettais ça. And the demon said there is no excuse. Le démon a dit que tu n'as pas d'excuse. We have many of them that are telling people a lie. Il y en a plusieurs là-bas là sur la terre qui mentent. And we know many will come. Et je sais que beaucoup vont venir ici. We are waiting for them. On les attend ici. We are here waiting for them. On les attend ici. All disobedient children to the word of God. Tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. We torture you people, you fools. Nous allons vous torturer, vous les fous là ici. The Bible is warning you people, you don't believe. La Bible vous avertit, vous ne croyez pas. We will make you people believe here. Ici en enfer, vous allez croire. You don't believe it. Here you will see it here. Tu ne crois pas en enfer et tu vas voir ici en enfer. And then I start crying. J'ai continué à prier. And then the demon turned again. Le démon s'est tourné. And carry a hot iron. Le démon a pris un fer chaud rouge. And start pressing it on my body. Il a commencé à appuyer cela sur mon corps. The iron will enter into me. Et le fer rouge entrait dans mon corps. I was screaming, I will cry my teeth. Je poussais des cris terribles. As the Bible said, they will gnash their teeth in hell. La Bible dit que les gens vont mâcher les dents en enfer. I mash my teeth in hell. Là-bas, je mâchais mes dents de douleur. Oh, this punishment is too much for me. J'ai dit, hey, Seigneur, ce corps, je suis en train de souffrir. Jesus, I did not kill anybody. I don't show me mercy. Seigneur, je n'ai plus personne de pitié de moi. I was just doing this to say, for sure, God, I was doing this. Also. Moi, j'étais seulement dans la mode, comme tout le monde. If I don't dress like this, nobody will help me. Oh, God, I was doing it out of ignorance. Si je m'appuyais comme les filles s'appuient là-bas, c'est parce que j'étais ignorant, je ne savais pas. Jesus, I will not do it again. Je ne ferai plus jamais, Jésus, s'il te plaît. When the demon finish, quand le démon a fini, he come to my mouth. Il arrive au niveau de ma bouche. Who told you to use this mouth to abuse? Qui t'a demandé de mettre la tomate le rouge? Did the Bible tell you that you don't use bad words out of your mouth? La Bible dit que tu ne dois pas utiliser les mauvaises paroles de ta bouche. This mouth was giving you to say good things and to praise God. Cette bouche a été donnée pour dire des bonnes choses. But you are using this mouth to drink alcohol, to smoke cigarettes. Mais toi, tu utilises cette bouche pour boire l'alcool et fumer la cigarette. You are using this mouth to do fornication, to kiss, kiss, kiss. Ta bouche était pour embrasser, donner des baisers aux hommes, embrasser. You are using this mouth to curse other people. Why? Tu as pris ta bouche pour maudire les gens, pourquoi? You will regret today why God gave you mouth. Aujourd'hui, tu vas regretter pourquoi tu t'as donné ta bouche. J'ai continué à prier. He said, the Bible has told you people everything. Est-ce que la Bible vous a tout dit? But some of you think that you own the world, you own your life. You don't know your life is in His hand. Mais beaucoup d'entre vous pensent que c'est vous qui tenez votre vie entre vous. Vous oubliez que votre vie est entre ses mains. You don't know you are going to come here soon. Tu ne savais pas que tu allais bientôt être ici. And then he told again. He carried another thing. Il a pris un autre instrument. I saw him carrying the alcohol bottle like this. Il a pris une bouteille d'alcool comme ça. And then he carried the bottle. Il a pris la bouteille d'alcool. I said, drink. This is your water. Et il voit aussi ton eau ici. I said, I don't want to drink anything. Je ne veux pas boire si tu ne veux pas boire s'il te plaît. Je vais me laisser, I will not drink alcohol. Je ne veux plus jamais boire l'alcool et l'alcool. I will not smoke again. Plus de cigarettes s'il te plaît. I will serve
miséricorde. And then the people look at me. Le monde m'a regardé. I say you are a fool. Et il a dit tu étais une insensée. I say no mercy here. Je t'ai dit pour d'abord pour le coup. And when I command you, you must do here. I rule here. Don't control me here. Ici quand je commande, tu dois faire ici. Personne ne contrôle ici. And then I said, give me the bottle. Je lui ai dit, donne-moi la bouteille. He tell me to drink. Je veux boire. And then I said, put the bottle to drink. Quand j'avais pris la bouteille. Forcefully, I want to drink because I was thirsty. Je voulais boire, je mangeais, j'avais très soif. No saliva on my body. Il n'y avait pas de salive dans mon corps. They put me on a powder where they fry, make a dry fish rotted in me. C'est comme j'étais sur les clés là où on fait le, on fume le poisson. I'm feeling thirsty. I'm feeling the heat. I'm feeling the hot. J'avais soif, mais il y avait une grande chaleur. And the demons are touching me. Les démons me tourmentaient une fois de plus. I have to raise up my mouth and say, God, this is too much for me, please. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est trop, aie pitié de moi. God, I'm making you please, I'm merciful. Pardon, je t'en supplie, aie pitié de moi. And then the demon says, drink this, please don't command me here. Le démon dit, ici personne ne commande, bois sa pitié. And then he removed a sword and he sat it in my side. Il a sorti un couteau et il m'a envoyé ça du côté de mon frère. You know, I'm not commanding here. Et bien, when I say to you, do. Et il a dit, ici personne ne commande, c'est quand je te dis, tu dois faire. J'ai pris la bouteille que j'ai When I put it forcefully in my mouth, quand j'ai mis la bouteille dans ma bouche, I noticed it was a raw acid. J'ai constaté que j'étais pris de l'acide. I dropped it on my mouth like this. Comme si ma bouche était en train de tomber. I noticed that my body was melted like this. J'ai constaté que mon corps était en train de se. J'ai dit Jésus, c'est quoi ça? Jésus, Jésus, pitié de moi. Je ne vais plus jamais faire cela. Je te promets, je ne vais plus jamais recommencer. Aie pitié de moi, Jésus. Cette souffrance est terrible. Le démon m'a arrêté encore. Tout ce que le démon faisait de mon corps. Après m'avoir déchiré un morceau, mon corps est en flambeau. Après, il devient normal que je n'avais jamais eu comme ça. Et je me suis rappelé ce que ma soeur me disait. Je me suis rappelé qu'elle disait souvent que là-bas en enfer, on ne meurt plus. Even if they cut off your head will come and join you. Même quand on coupe ta tête va revenir. All they are going to do is for you to feel the pain. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est pour que tu souffres. Even if they jump inside the fire, fire will come out of your body if you don't die. Même si on te met dans le feu te consume, mais tu ne meurs pas. And I was laughing at her. So what kind of thing is this? I got somebody they cough, the person here, you will not die. Je moquais de ma soeur et disais que quelle est cette histoire où on peut couper quelqu'un à morceaux, tu ne meurs pas. But I saw it for myself. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. That's why the Lord Jesus is begging people. That's why the Lord is begging. C'est le fait que le Seigneur vous en soit. You should not go and see it for yourself. Que tu n'ailles pas dans les flammes de l'enfer. All this audacity and I don't believe in the lie. Just a normal thing, you will regret it. Ceux qui croient que ce n'est pas la vérité, vous allez regretter le jour. J'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regretter pourquoi je n'ai pas écouté ma soeur. Pourquoi je n'ai pas écouté mes amis. Pourquoi j'avais des copains. I look like nobody to help me. Je regarde personne pour m'aider. I did not see trousers, I did not see money, I did not see nobody, nothing. Je ne voyais personne. And I remember when I passed on some time, my younger sister would be telling me, what shall it profit a man to gain this whole world and lose his whole leader, please? Je me suis rappelé de ce que ma petite soeur me disait, que serait-ce cela un homme qui a eu le monde entier, qui s'est revenu dans ma tête. They see me now naked. Je voyais comment j'étais nu. All the clothes I was wearing is not here. Tous les habits n'existaient plus. All the money I was wasting, don't go away. Tout l'argent que j'avais dépensé, ça n'a servi à rien, Seigneur. I came alone, nobody to help me. Me voici seul ici, personne pour m'aider. All the people I was committing fornication, nobody came and saved me. Tous les gens avec qui je comptais la fornication, personne pour m'aider. None of my friends came and helped me. Aucun ami. Oh God, have mercy on me. Seigneur, aie pitié de moi. Jesus, now I know only you can save me. Jésus, maintenant je sais que tu es vrai. Jesus, please, no, follow you, I worship you. Maintenant je vais te servir. I will not fear man. Ne fais plus écouter ce que les hommes disent, mais ce que toi tu dis. And then the people laugh again. Et les gens encore rient. As I've told you, that righteous man have left you. Que le juste homme t'a abandonné. And then the people was asking me. Le monde m'a demandé. Why do you have to bleach your skin? To bleach. Okay. Pourquoi est-ce que je devais te maquiller, te décaper? You people think that when the Lord says lying, it's only by your word. Even your body, the way you want to put on, is this your clear color?
Il m'a dit que quand Dieu dit que le mensonge c'est un péché, vous pensez que seulement les paroles. Quand vous décapitez là, vous devenez comme les blanches. C'est votre couleur. You have lied to your skin. Tu trompes ta peau. Tu mens à ta peau. And you think you will go to that holy place? Tu penses que tu vas entrer au ciel? All liars will come here. Tous les menteurs viendront ici. Anything make it false, we don't enter there, we come here. Tout ce qui est faux ne va pas entrer ici. We are the one producing this thing so that we people will defy your body. C'est nous les démons qui faisons les choses afin que vous souillez votre corps. So that God will reject you people. Afin que Dieu vous rejette. But you people don't know, you are calling it fashion, you are enjoying it. Mais vous ne savez pas, vous dites que c'est la mode. Now you have seen where the enjoyment has stopped here. Maintenant tu vois d'où vient la mode, la veille. And then they told me. Et il m'a dit. That this body that you are making it so sexy and fine. Ce corps là que tu l'as mis sexy et beau. This is the place where it will end. Voilà ta fin. And then he told me the great ocean of fire. Il m'a montré un grand océan de feu. Only you will be there now. You will see yourself. Only you will know who you are now. Toi seul sais ce que tu suis maintenant. You are going to roast like an animal. Tu vas être brisé comme un animal. As the bleaching profits you now. As the bleaching profits you now. Le maquillage va te sauver maintenant, ça va t'aider ici. You disobedient child. Toi l'enfant, le père désobéissant. And then he told me again. Et il s'est tourné vers moi. I said, why were you doing abortion? Et il m'a dit, pourquoi tu as voté? Why were you doing fornication? Pourquoi est-ce que tu commettais la fornication? Don't you know that sex is for married people? C'est vrai, je ne sais pas que les relations sexuelles c'est seulement quand on est marié. When you are not married, you're not supposed to commit sex. Quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir les relations sexuelles. That's why the Lord calls it fornication. C'est ça qu'il appelle, Dieu appelle ça fornication. I start crying again. J'ai commencé à pleurer. And then immediately they jig me up like this. Immédiatement, on m'a soulevé. Open one of my legs, that is, open the other one like this. Oh my goodness. On a écarté mes jambes. And then the demon said, le démon a dit, the same way you like it on earth, I will do the same thing to you here. La même manière que tu aimais cette pénétration avec les hommes là, je vais te faire la même chose en enfer. This thing I'm telling my people. Ce que je dis. By the grace of God, I will play you a clip here, you will see. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, vous allez voir un clip ici, un documentaire. If you go over the internet, people that have seen Jesus die and go to hell, there's a Chinese sister that have a testimony before me. All what I'm telling you, how they torture people, she draw it herself. She stay in China. I say it's her. I don't know her. She has not known me. I've not seen her. But the same thing I'm telling you, for you to have all this money. Je vous parle d'une sœur chinoise qui a eu la même vision. Moi, je suis sierra-léonaise. Elle est en Chine. Mais les mêmes choses que je. C'était avant moi, je ne savais pas. Les mêmes choses que je décris, c'est ce qu'elle a vu. And then when he gave me up like this. Et on a écarté les jambes. He carried a long spear. Et le démon a pris une longue flèche. And he came and stand under my leg like this. Et le démon est venu se mettre sur mes cuisses. And was looking me like this. Et il me regardait. I said, do you see this thing? Et il m'a dit, tu vois cette chose? The same way you like it, I will do it to you. Comme tu aimais la fornication, c'est ça que je vais faire maintenant. J'ai dit, hey, Jésus, pardon. Je t'en supplie, je t'en ai pitié. J'ai prié, mais le Seigneur ne m'a pas écouté. J'ai commencé à maudire Dieu. J'ai dit, Jésus, tu es un menteur. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
Jésus. What have I done? Qu'est-ce que j'ai fait? I'm not doing it again. Je ne ferai plus jamais ça. I've been hitting everybody in the world. J'ai commencé à haïr tout le monde. I've been hitting all my boyfriends. Je haïssais tous mes copains. I've been hitting all his pleasures. J'ai commencé à haïr tous les plaisirs du monde. Qu'est-ce que j'ai eu comme bénéfice de tout ce que j'ai fait? Oh Dieu! Je ne vais plus jamais le faire. Plus jamais. Plus je ne vais jamais voler. Plus de fornication. Plus je ne m'habille de façon légère. Plus jamais. Plus jamais me marquer, me décaper. Je ne vais plus jamais voir la jalousie. Je ne vais plus jamais avoir la fornication. Maintenant, je crois qu'il y a l'enfer, Seigneur Jésus. Maintenant, je crois que ceux qui ne croient pas en Jésus vont aller à l'enfer. Je vais te servir Jésus jusqu'à la fin. Maintenant, je vais habiller de façon sainte. Peu importe les moqueries, je vais maintenant mener une vie sainte. Une dernière chance, s'il te plaît. Pardon, une dernière chance. Je ne peux pas supporter l'enfer. Jésus fait quelque chose. Ne permets pas qu'on me torture comme ça. Ne permets pas cela, Jésus, qu'on me jette dans ce feu. Aie pitié de moi, Jésus. On a commencé à me tirer. On a mis les chaînes sur mon corps. Et on me traînait. J'ai dit, ne permets pas ça, Seigneur. Ne permets pas cela, Seigneur. Sauve-moi. Je vais te servir. Pendant qu'il me traînait. J'ai dit non. J'ai dit que maintenant je suis. Je crois qu'il y a l'enfer. Plus jamais je ne vais plus. Je ne vais plus jamais désobéir. Je vais mener une vie. Au début, m'a dit. Le démon a dit, je vais te jeter là-bas. Le démon m'a pris. Le démon m'a tourné comme ceci. Il m'a tourné. Et il m'a jeté dans le lac de feu. J'ai compris que pour moi c'était la fin. J'ai compris que c'était fini. J'ai dit que je ne vais plus jamais voir ma soeur. Je ne verrai plus jamais personne. Voici la fin de ma vie, Seigneur. When I opened my eyes inside this fire, quand j'ai couvert mes yeux dans les flammes de l'eau, I was surprised to see people living in this. J'étais surpris de voir qu'il y a les gens dans les flammes de feu. I said, what is this? J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? I was thinking that I would die in this fire. Je croyais que si on assis dans les flammes, je vais mourir en feu. Et je vis dans les flammes. Is it true what I'm seeing? C'est vrai ce que je vois. Mon corps brûlait entièrement. J'ai dit non. Ça c'est trop de souffrance. Je n'ai pas péché comme ça. C'est juste de péché comme tout le monde. J'étais juste une fille rebelle, mais c'était pas comme ça. Je me souviens de mon père. Pendant que je souffrais comme ça, je pensais à Dieu. Je voyais quelque chose venir dans les flammes de l'enfer comme un verre. Et les verres venaient dans comme les verres. Comme les verres. Et ces verres-là étaient face à moi. Je dis ça, c'est encore quoi ça? Les verres en enfer. Oh, et les verres en enfer. Ah, ça c'est trop. Pendant que je criais. Ces verres-là sont venus attraper mon corps. Et les verres ont commencé à me mordre les verres. J'ai dit, Dieu, j'essaie d'attraper les verres et les jeter. Les verres me mordaient partout. J'essaie d'enlever les verres et les jeter. Et les feux venaient sur moi. Je ne peux pas supporter ça, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi. Je ne veux plus jamais pécher. J'ai péché contre moi. Aie pitié. Pendant que je criais, j'ai commencé à s'arrêter la force. La force me transporte. J'ai commencé à me transporter. J'ai dit que maintenant on m'emmène encore où maintenant.
montait sur dans le feu. The fire was dropping down on my body like water. Le feu se déversait sur moi comme de l'eau. And I noticed I stand on the ground. J'ai remarqué que j'étais sur le sol. And I saw a man wearing white in front of me. J'ai vu quelqu'un habillé en blanc à côté de moi. And when I saw the man standing. Et quand j'ai vu le monsieur debout, the man was looking like this. Le monsieur me regardait. I shake his head. Et il a secoué sa tête. And then. Il a dit. The man turned. Il a dit. The man, I followed the man. J'ai suivi l'homme. And then when I followed the man out. Et quand j'ai suivi l'homme dehors. I started wondering why this man is not burning in this fire. J'ai dit, pourquoi l'homme n'a même se brûle pas dans le feu, il n'est pas brûlé par le feu. No heat, nothing is touching his body. Aucune chaleur, aucun feu, rien de brûlé. And the man face was shining. Et son visage brillait. When I look at my own body. Quand j'ai regardé à mon corps. I was roasted like a animal. J'étais comme le poulet blessé, un animal blessé. But I have sense, I know I'm linger, I can see through. Mais tous mes sens étaient normaux. Je savais que je m'appelais Linda et je pouvais voir. And then when the man turned and started carrying me out. Et lorsque le monsieur a commencé à me transporter. We entered out of the air, out of hell. Nous sommes sortis de l'enfer. And then we started walking. Et on a commencé à marcher. And we reached a gate. Nous sommes arrivés vers un portail. The gate of heaven alone. Le portail du ciel seul. I started saying, whoa. J'ai dit, wow, what is this? Ça c'est quoi ça? And then I saw something was coming from afar. J'ai vu quelque chose qui venait de très loin. When they come close to me, quand la chose approchait de moi, I saw they were angels. J'ai compris que c'était des anges. J'ai dit, ah, angels. Des anges. So this thing is true. Donc c'est aussi vrai. And then they came towards me. Et ils sont venus vers moi. They started touching my body, transforming me. Ils ont commencé à toucher mon corps, me guérir. And then all of a sudden, et soudainement, I looked myself, I was born. J'ai regardé. Tout ce qui était brûlé, j'avais été guéri. I said, God, thank you, Jesus. J'ai dit merci, Jésus. I did not notice the man again by my side. Je n'avais pas remarqué que le monsieur était à côté de moi. As the gate of heaven opened. Quand les portes du ciel sont ouvertes. A mighty light, like a force, hit my leg and lean down. Une puissance, une lumière comme une puissance, a frappé mes pieds et je me suis mis à genoux. And I was trying to look through this light. Et j'ai essayé à venir à regarder vers cette lumière. But the light was very great that I cannot see at all. La lumière était si puissante qu'il m'était impossible de voir. And inside that light, a thundering voice that was shaking the ground where I was kneeling down. Et de cette puissante lumière, il y avait une voix comme un tonnerre qui secouait la terre où j'étais placé. And called my name, Linda, my daughter, you are welcome. Et la voix dit, Linda, ma fille, tu es la bienvenue. And I was saying, which kind of voice is this? J'ai dit, quelle est cette voix? So I was struggling to look through. Et je me forçais à regarder par-dessus. And I opened my eyes. J'ai ouvert mes yeux. I saw somebody standing in front of me. J'ai vu quelqu'un placé devant moi. I started to watch from the feet of this person. J'ai commencé à regarder les pieds de ce I saw person. A great hole, a mark of how they piercing on his face. J'ai vu, c'était comme la fournaise. And I started watching my Lord going on. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? And when I reached up to his face, quand j'ai regardé le visage, his face was shining, light was coming all over his face. Le visage brillait et la lumière sortait de tout le visage. And then he smiled to me. Et il a souri. And then he stretched his hand to me like this. Et il a tendu ses mains pour me. Because I was still kneeling down. Parce que j'étais encore à genoux. And when he do like this again, il a tendu ses mains. I noticed the same all of the thing and the same all of the back. J'ai vu que la même chose qu'il avait sur les pieds, c'était sur les mains. And then he was ready to me, give me his hand to lift me up. Et il m'a tendu la main pour me soulever. And when I put my hand in his hand for him to lift me up. Et quand j'ai saisi sa main pour me mettre debout, Before he raised me up. Avant de me mettre debout. He said something to me. Il a dit ceci. He said, I am Alpha Omega. Il a dit, je suis l'Alpha et l'Omega. I am Jesus, your father that made me. Je suis Jésus, ton père qui est mort pour toi. I'm your savior. Je suis ton sauveur. J'ai commencé à prier. J'ai dit, non, tu m'aimes comme ça, Seigneur. Non, tu m'as entendu, Jesus, I thank you. J'ai dit, merci, Jésus. Merci. And then he raised me up. Il m'a mis debout. And I was smiling to him too. J'ai aussi commencé à sourire. And then he ushered me into heaven. Et on m'a monté le ciel. As we entered that place, pendant que nous entrions là-bas, I noticed two mighty angels standing behind him. J'ai vu des anges puissants
tenu derrière lui. And then I opened my eyes and said, wow, is this heaven? J'ai dit, wow, est-ce le ciel? I cannot describe heaven. I cannot. Je ne peux pas. Je ne peux pas décrire ce genre de beauté. I cannot describe heaven. Amen. And then the Lord Jesus said, let's enter the heaven. Et le Seigneur a dit, entrons au ciel. As he told me to enter heaven. Et là, il me demandait d'entrer au ciel. I was walking with him. Je marchais avec lui. And I saw giant mansions. J'ai vu des palais extraordinaires. Of different kinds and different styles. De différents genres, de différents types. And then I was admiring the place. J'admirais l'endroit. And then the Lord Jesus stretched his hand to a certain place. Le Seigneur a étendu sa main vers un endroit. And then he said, his house. Il a dit cette maison. Belongs to a believer that have died and go to hell. Appartient aux croyants qui sont morts dans l'enfer. These are those that have backslide and they will not recover again. C'est ceux qui ont retrogradé. And then he stretched his hand again to another portion of other houses. Il a levé ses mains. And then they said, this set of houses, ce genre de maison, this set of mansions, ce genre de palais, these are for people that are winning souls for me on earth. Voilà ceux qui gagnent les âmes. Those that are really working for me on earth. Ceux qui me servent au ciel, sur la terre, qui travaillent pour moi sur la terre. And I said, only to those 10 people about Jesus, we so this is the kind of mansion God will give you. Je suis dit que seulement parler à quelqu'un de Jésus, voir le genre de palais que tu as au ciel. And then the Lord told to me. Le Seigneur m'a dit. And he said, not all. Mais pas tout. But those that are doing it in holiness and righteousness. Mais ceux qui le font dans la sainteté et la justice. Those that their heart is set on winning so for me, not to gain from the people. Ceux qui gagnent les âmes pour moi, dont le cœur est attaché aux âmes pour moi, pas ceux qui essayent d'exploiter les qui exploitent les gens. He said, I'm sitting on top, I'm sitting in heaven, looking down on earth. I will see some of my children. They will use their own money, go out, win souls for me, even give people their last they have, just to invite them in the church. They will trade, they will not eat, they will prefer to give other people just to win them. Je vois mes enfants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes sur la terre. Ils se risquent. Ils se déploient, ils donnent même le peu qu'ils ont. Parfois ils marchent à pied pour aller gagner les âmes pour le Seigneur. And then he started me again. Et il m'a encore transporté. And then I saw a light suspended up heaven and it was brightening the whole heaven. Et j'ai vu une lumière suspendue quelque part qui éclairait tout le ciel. And it was the light was inside the Jew. And when the Jew would do like this, I would see a chair that don't have a bending, a golden chair, a mighty chair. La lampe était comme dans un char, je ne sais pas comment expliquer ça, mais elle éclairait un genre de trône en or. Mais chaque fois qu'elle éclairait, j'avais la difficulté à voir le trône. And the light that was coming there was powerful light. Et cette lumière qui sortait du trône là était puissante. And I was saying, which kind of light is this and chair that is suspended up heaven? Tu me disais, mais quel est ce genre de chaise qui est suspendue au ciel? And I did not see any sun or moon, but this light is the one bright in the heaven. Et je ne voyais ni soleil, ni lune, mais cette lumière-là qui éclairait tout le ciel. And the Lord tapped my back and crossed his hand and he had said, that place you are seeing, this is the throne of my father. Et il m'a dit en me tapotant sur l'épaule, ce que tu vois là, c'est le trône de mon père. And then we keep on walking. Et on a continué à marcher. And I saw a giant angel. Et j'ai vu un ange géant. Standing, I was looking serious. Et qui semblait très sérieux, debout. And then I was looking at him. And then the Lord Jesus asked him, I said, no. I said, no. He said, this is angel Michael. Il a dit, ça c'est Michael. Take a look at him. He has already dressed. Regarde, déjà tell my people that heaven is ready for them. Angel Michael is dressed. Me too, I'm dressed. Dis à mon peuple que le ciel est prêt. L'ange Michael est là. L'ange Michel, si vous voulez en français, l'ange Michel est là, nous sommes déjà tous prêts. So when I asked the Lord, dress for what? Je dis, mais prêt, habillé pour quoi? The Lord said, when you go back on earth, my children that know me, they will tell you why Angel Michael is dressed. Je lui dis, mais être habillé, être prêt pour quoi? Vous voyez, quand je vais rentrer sur la terre, il y a mes enfants là-bas qui me connaissent, ils vont expliquer ce que c'est. And the thing pierced my heart, Pierre going back. Et cela a touché mon cœur, je dis, rentrez encore. So I said to myself, inside my heart, that I don't want to go
J'ai dit que je peux rentrer. J'ai dit dans mon cœur, je peux rentrer. And then the Lord just stand like this. Il s'est mis debout. And looked down to me. Et il m'a regardé. And said, I hate selfish people. Il a dit, je n'aime pas les ingrats. You don't deserve to be here. Tu ne mérites pas d'être ici. You have not done anything for me. Tu n'as rien fait pour moi. You are just wasting your time. Tu as passé à plus de tout. Tu perdais ton temps. You don't know me. You don't know my way. You only know me by your mouth. You don't know me in your heart. Tu ne me connaissais pas. Tu ne me connaissais que de bouche. Rien de toi ne me connaissait. And then and the way I saw his face, and I said, Lord, I will go. Et quand j'ai vu son visage, je dis, Seigneur, je vais rentrer. As we keep on walking, I saw a set of children, plenty children, and a woman was sitting in the midst of them. Pendant qu'on marchait, j'ai vu beaucoup d'enfants, il y avait une femme avec eux. And the woman was talking to these children. The children, they were bright, looking well, and they were laughing. Et la femme parlait avec les enfants, et les enfants étaient bien habillés et ils riaient, ils jouaient. Then the Lord Jesus said, these children, these are the children that you people are doing abortion on earth. Le Seigneur m'a dit que les enfants que tu vois de là-bas, c'est ceux que vous abortez sur la terre. And these are the children that are coming back to me. Et quand vous les abordez, ils reviennent vers moi. And the woman that is sitting among them, do you know that woman? Et la femme qui est assise avec la tuile, tu la connais? And I said, no, my Lord. Elle dit non. He said, this is Mary. Il a dit, c'est Marie. The Catholic are worshiping. Ceux que les Catholiques adorent, ceux que les Catholiques adorent. Tell them the devil has blinded them, they have blind their eyes. Va dire que le diable a aveuglé leurs yeux. That they are worshiping Satan, they are worshiping Queen of the Court, not Mary. Ils n'adorent pas Marie, ils adorent la reine de la mer, la reine de Côte, la reine des monts. Because nobody on earth has the power to intercede for you on earth. Parce que personne sur la terre ne peut intercéder pour vous. Je veux dire, le ciel ne peut intercéder pour vous. Only me, Jesus, that everybody should je suis le seul par qui les gens doivent passer qui doit intercéder pour vous. And Mary don't know what is going on earth. Marie ne sait même pas ce qui se passe sur la terre. So go and tell them that they are idol worshippers and they have followed the footsteps of Satan. Va leur dire qu'ils sont les idolâtres et ils sont allés suivre le fruit de Satan. Nobody has right to worship Mary. Tout personne n'a le droit d'adorer Marie. And then we keep on walking. On a continué à marcher. And then they carry me to a place. On m'emmena à un endroit. It was like a view place. C'était un endroit comme en plein air. I was just happy because the way heaven looked like, I don't understand. J'étais tellement heureuse parce que la manière dont le ciel est. I saw saints, the way they dressed white, and you will see the face was shining, they were happy, they were moving up. Et je voyais les saints, les enfants de Dieu, la manière dont ils étaient habillés, c'était si merveilleux, tu pouvais les amener la joie dans leur visage. I just want the Lord to say, go and join them, you are told, because nobody will go to that place, I want to come back to this world. Je voulais aller les rejoindre parce que je ne peux pas là-bas au ciel et ils désirent venir dans ce monde. And then when we see that, then the Lord turned to me and said, you are going back on earth. Le Seigneur m'a dit, tu vas rentrer sur la terre. You go and tell my children what you have seen and what you have seen. Va dire à mon peuple ce que tu as vu. I allow you to go through hell so that I will. Je t'ai permis d'aller en enfer. You will be able to tell them better. Afin que tu puisses mieux dire ce que tu as vu. You are saying you don't believe, now you have seen. Toi qui disais que tu ne crois pas, maintenant tu as vu tes yeux. And then the Lord said. Il a dit, le Seigneur. As he talked to me like this. Pendant qu'il parlait. And said, my church is dirty. Il a dit, mon église est sale. Heaven was shaking. Quand il a dit ça, le ciel a tremblé. The face that was smiling to me was changed. Le visage qui souriait avec moi a tout de suite changé. The hand was like fire was going up and down, like this kind of thing. Fire in the eyes of Jesus. Ses yeux étaient devenus comme les flammes de feu. And then he said, my church is dirty. Il a dit, mon église est sale. And then he did stretch his hand like this. Il a tendu ses mains comme ceci. A mighty scream appeared. C'est comme si un écran est apparu. And you are starting different churches. The screen was going like as if you are turning album. L'écran était face à moi comme si c'était un album qu'on feuilletait. And then the Lord started to show me different churches of different races. Il a commencé à me monter différentes églises avec différents pasteurs. Women, men, black, white, Chinese. Les hommes, les blancs, les chinois. And then the Lord said, see. Il a dit, regarde. My church is dirty. Mon église est sale. And then the Lord paused it in one church. Et il s'est arrêté sur une église. I saw the way the pastor was dressing, this 60 dressing, everything was tight on me. J'ai vu comment un pasteur était habillé, n'est-ce pas? Collé, serré, on appelle ça sur mesure. And the pastor was doing this jerry curl on his hair and he was bleaching, putting rings on his finger and a big chain. Et le pasteur avait une grosse chaîne et une chevalière au doigt. And then the Lord Jesus point the hand to the man. Et il a tendu la main vers cet homme-là. And said, this one will not enter my kingdom. Il a dit, ce n'est pas entrer dans mon royaume. You see
Qu'est-ce que tu vois de sainteté en lui? Which example that this one will give you? Ce genre-là va vous donner quel exemple? This one that I've said in my word that do not follow the things of the world. Ceux à qui j'ai pourtant dit n'aimez pas les choses du monde. Do you know how many lost that sisters and women that are sitting there have lost after him now? Est-ce que tu sais combien de sœurs l'ont convoité pendant qu'il est assis habillé sexy là-bas bien ciré de là? All the things that I've condemned he's putting on the body. Tout ce que je condamne c'est ça qu'il porte. He's even bleaching his body. Bleaching the body. Il se maquille, se décape même. This one will not carry you nowhere but to Satan. Ce genre de pasteur ne vous conduit qu'à l'enfer. And then the pastor was preaching, telling people that the people were laughing. Et il prêchait des choses qui appelaient les gens et les gens riaient. And then the Lord was angry. Le Seigneur était fâché. The Lord said, see how they have come my house for comedy. Et il a dit, regarde, ils ont changé ma maison en théâtre, c'est la comédie. For my people to come to my presence and cry and repent, they are laughing and enjoying their. Les gens viennent dans mon église, ils sont de partir et de pleurer pour leur péché. Et ils rient. I'm not in their midst. All these churches that are calling my church. Ce genre d'église, il y a la comédie de cinéma. Je ne suis pas dans leur milieu. The Lord said, not in their midst. The devil is just keeping them busy. Il dit, je ne suis pas dans leur milieu. Le diable est dans leur milieu, je suis occupé. And then they come to the mama in the church. Il s'est tourné vers les mamans à l'église. He says, see the mama you put are calling mama today. Il a dit, regarde les femmes que vous appelez la maman, maman à l'église. Mothers that I give you, I teach you to follow Sarah. Is this the blessing of Sarah? J'ai dit que les femmes imitent Sarah. Est-ce que Sarah s'habillait comme tu vois là? Is this the blessing of the standard of my word? Est-ce que c'est le standard de la demande de ma parole? This one is representing Jesus that I will carry you. Ces femmes-là à l'église sont des Jézabel. Je ne peux pas les prendre à l'église. Aucune propriété du diable n'entrera dans mon royaume. And the Lord said to condemn me before, start to condemn the pain, see you walk, I love you, walk, I bet, be big here. Et il a commencé à montrer les femmes avec le chapeau aux yeux, c'est toi qui appelle ça comme ça la tomate, et les cheveux que j'appelle les roues de voiture, les cerceaux aux oreilles. And he was wearing the illegal but short religious and put suit on top with chain and false dress, he was dressed with. Et puis montrer les femmes avec des mini, des décolletés, avec des faux hommes. And then the Lord Jesus said, et le Seigneur a dit, this one is a representative of Jezebel. Ces femmes-là représentent Jezebel. Not in this one teaching the Holy Spirit. Et ce genre de femmes qui vont vous amener dans la secte. These are the mothers now in the church. Voilà celles que vous appelez là-bas les mamans dans l'église. Nobody that will carry this property will enter the kingdom. Et avec plus ce genre de choses, l'entrera dans mon royaume. When Jesus is talking about the dressing of women to that man, you will hear the voice like prophet. You will see the face of Jesus giving me a question. Quand Jésus parlait de l'habillement aujourd'hui dans l'église, son visage avait changé et sa voix était devenue comme le tonnerre. Je tremble, et le Seigneur est pitié de moi. So tell you that God hates this naked dressing with passion. C'est pour vous dire que le Seigneur essaie d'abuser d'habillement sexy avec beaucoup de colère et de passion. Et il est à dire à mon la chorale. Il a des regards à la chorale aujourd'hui, remplis de satanisme. Voilà les gens que Satan utilise pour produire dans ma maison. Pas dire à plusieurs choristes qui chantent pour le diable pour ma gloire. Il a commencé à condamner ses amis pour leur serrer. And the Lord says, see how immorality is spreading all over. Et il dit, regarde comment l'immoralité coule partout. For them to see that me to minister, for them to see God, they are competing with this sinner, they are taking their sin to me. I'm not a God that you bring Satan to me. Comment je vais me purifier dans ce genre de pécheurs qui sont en train de chanter ma gloire? Je ne peux pas aller laisser Satan, n'est-ce pas, appeler les gens vers moi pour la gloire, prendre la gloire. And then the Lord said, go and tell them, I will judge them for my talent, the ones I've given them, and they are rendering it to Satan.
Et il a dit, pas les dire, je vais les juger à cause des talents que je leur ai donnés qu'ils utilisent pour servir Satan. In their midst, full of fornication, malice, abortion, they are the worst people with the pastor, quenching the power. Most of them are agents of darkness. Go and tell them that. Et regarde dans cette Coran, dans la Coran, il y a la fornication. C'est elle qui couche avec les pasteurs. Il y a la fornication, il y a le péché. Je ne suis pas sûr des agents du diable. Je ne suis pas dans leur milieu. And then they come to the congregation like this. Et il a mis à monter l'église. And then they say, see how they are deceiving themselves. Et il regarde comment ils se trompent. Is this my children? Est-ce mes enfants? And then you see the sin start writing on everybody's forehead. The sin of a man. The sin of every person. Fornication. Okay. Tu pouvais voir le péché de tout le monde. Tout le monde, ce péché était invisible. Dieu l'a montré après. Il m'a montré le péché de tout le monde. And then the Lord says, see the kind of sin on them. Et il a dit, regarde le genre de péché qu'il y a dans l'église. And then the Lord says, go and warn them for that their prayer. Va les avertir par rapport à leur prière. God, die. La prière de mort. Not to kill their enemy. Il demande de tuer leurs ennemis. There is a prayer of wickedness and revenge. La prière de vengeance. They should tell them if he answer that prayer. Va leur dire que si je réponds à cette prière, nobody will stay on hand to worship him. Personne ne va encore m'adorer. Because see their hearts now. Let me show you. Parce qu'ils regardent leur cœur. Ceux-là qui font ce genre de prière. This one is dating this one also, but this one no. Celui-là qui envoie le feu sur ses ennemis, il hait son frère dans son cœur. This one is jealousy of this. L'autre est jaloux de l'autre frère. And this one is praying for the enemy to die. This one he hates this one. L'autre qui prie que ses ennemis meurent, alors qu'il a les ennemis dans son propre cœur. And if I answer this one prayer, this one will die. And if I answer this one prayer, this one will die. Si je réponds à leur prière, l'autre va mourir, tous vont mourir. So I told them to love one another. Je leur demande de servir les uns les autres. The devil has given them a wicked prayer that they have put in the people. Le démon leur a donné des prières de méchanceté. Tell them that I don't answer that kind of prayer. Va leur dire que je ne réponds pas ce genre de prière. And then they turn again to the usher for this thing. Et ils se tournent vers les hôtesses et les autres. They say, see their dressing. Ils regardent l'habillement. And the Lord start to condemn. Il a commencé à condamner. And then I will name some of the sins because of time. Je vais citer quelques péchés qu'il a évoqués à cause de moi. The Lord told to me. Il m'a dit en un. I said you were a prostitute. Il dit tu étais prostituée. You were an robber. Tu étais voleuse. And I said Lord, I was not a prostitute. Je dis mais Seigneur, je n'étais pas prostituée. I was not a thief. Je n'étais pas voleuse. And then he said. Il a dit. That's why I said the ways of man is not the ways of men. C'est pour ça que je dis que les voies des hommes sont pas mes voies. Your thinking and my thinking is not the same. Les pensées ne sont pas mes pensées. You only believe that prostitutes is people that go to the streets. Tu vois que prostituées c'est les femmes qui se montrent, qui vont dans les rues et prennent l'argent des hommes. Yes, they are prostitutes. Oui, il y a des personnes de prostituées. So let me expand it for you to know who are prostitutes. Il faut que tu comprennes qui est prostituée. Anyone that is not married that is committing adultery and fornication is a prostitute in my sight. Toute personne qui n'est pas mariée et a des rapports sexuels est prostituée sous mes yeux. Any man that is married that is leaving the wife and go to another wife doing adultery and the wife is leaving the other doing adultery, they are prostitutes in my eyes. Toute femme mariée qui va avec un homme ou un homme marié qui va avec une autre femme est prostituée sous mes yeux. And I shake my head and say, God have mercy. J'ai dit, écoutez, and then they say, why I call you a thief? Pourquoi je t'appelle voleuse? You are not paying my tithes. Tu ne payes pas les dîmes. You only pay tithes two times for me that I receive. À toute ta vie, tu n'as payé la dîme que deux fois. But I remember I was paying tithes. Alors que je me rappelais que je payais les dîmes. And then the Lord said, yes, it was not coming to me. Il a dit, oui, ce n'est pas moi qui te donnais les dîmes. He was going to let your sinner pastor. Tu payais tes dîmes à ce pasteur du pécheur de mauvaise vie. I'm a holy God. Moi je suis un Dieu saint. After you have prostituted your life, you have fallen off. Tu péchais, volé, tu viens donner les dîmes. I don't receive dirty money. Je ne reçois pas l'argent sale. Go and tell those that are paying tight on earth. Va dire à ceux qui donnent les dîmes sur la terre, qui paient les dîmes sur la terre. That are stealing in the office, robbing people's prostitute their body and come and give me the money. Les gens détournent l'argent là-bas dans les bureaux, d'autres vont à la prostitution, après ils viennent donner les dîmes. That I'm not a dirty and wicked. Je ne suis pas un Dieu sale. And you we are not paying my correct tithe again. Tu ne payes pas les dîmes juste. If you're supposed to give me 1,000, you can give me 100, small money. It's what you feel to give me, you give me. Quand tu as 1,000 francs, tu vas me donner 100 francs. Tu me donnes ce que tu ressens, ce que tu ressens que tu dois me donner, pas ce qui est normal. Go and tell those that they thought that tithe is just a casualty, they will not take whatever they think. They should give me my correct money in their money.
va dire à ceux qui pensent que la Bible sont des histoires qu'ils soient fidèles, qu'ils donnent ce qu'il faut. And then the Lord Jesus said, go and warn my church. Il a dit, va prévenir mon église. And the church is not this building, it's you, if you don't know. L'église n'est pas le bâtiment, l'église c'est vous. The Lord said, tell my children. Dis à mes enfants. They are dressing is naked. I'm not a naked God. Ils sont nus. Les habillés, soit tout le monde qui sont habillés, mais ils sont nus. Tu ne suis pas un Dieu de la nudité. They are dressing for today. They must be different between the candidate of Satan and the candidate of me. Leur habillement doit être différent entre les candidats pour Satan, pour l'enfer et ceux qui vont au ciel. When my daughters will understand, they should know that this is a holy child of God. Quand mes filles sont habillées, qu'on voit la différence, qu'on sache que voici une sainte fille de Dieu. The same way the prostitute in the world, they dress and the candidate dressing in her house. La même manière avec laquelle vous s'habillez, c'est comme ça que les femmes s'habillent dans les églises. He said, tell them to change their attitude. Demande de changer leur attitude, a-t-il dit. And this dressing the Lord was condemning. Et c'est la biomane que le Seigneur condamne. The Lord said, tell them that their naked dresses, short skirts. Va leur dire qu'ils sont nus, lorsqu'ils habillent à mini. Their breath is out. Leur décolleté plongeant, tous les seins sont dehors. Their back is out. On voit tous les fesses. All those tight fitting dresses that will make man see. Tous ces habits serrés, serrés qui font voir les formes de leur corps. And the boys, those tight trousers opening chest. Et les jeunes gens, ils portent les pantalons serrés et ils montent leur poitrine, leur poil. All this yarning, this lipstick, this makeup. Tous ceux qui mettent le rouge à lèvres, n'est-ce pas? Tout ce qu'on met pour ce maquillage. The Lord said they have defiled their bodies. Je dis que ceux-là souillent leur corps. This is the property of Satan. Ce sont des propriétés du diable. And the Lord said. Il a dit. They are saying only the heart that matters to come to heaven. Ils disent que la foi c'est dans le cœur. Tell them that my word has said that they should purify in and out of their body. They should make their body be blameless and sanctified. Va leur dire que ce n'est pas seulement le cœur, leur corps va être sanctifié aussi. He said both in and outside should be 50-50 per se, 100% to go to heaven. Il dit que je voulais entrer au ciel, 50%, 50%, le cœur et l'extérieur, tout doit être propre. He said tell all women to take away trousers, it's an abomination in the sight of men. Il a dit, que les femmes cessent de mettre les pantalons c'est une abomination devant Dieu. Trousers is not for women. Les pantalons ne sont pas pour les femmes. And then if you are here, the sin that the Lord has mentioned. Si tu es ici et que certains faits péchés que le Seigneur avait mentionné. The Lord said, anywhere you go, I will go with you to sanctify them, to show them mercy, those that believe and repent. Le Seigneur dit que partout où tu iras, je vais te suivre là-bas, te sanctifier, afin que les gens croient et qu'ils se le pendent. When the Lord called all this sin, he told me, he said, tell them to come out and I will sanctify them, I will clean them. Because they don't have rights. They don't have the power to clean their heart from these sins. Quand il a mentionné toutes ces choses, il m'a dit, tu dois venir à moi, je vais les sanctifier, car ils n'ont pas la puissance de se sanctifier eux-mêmes. When I'm calling these sins, these different types of sins. Lorsque je mentionnais ceci, je mentionne déjà tout ce genre de péché. After I finish, I will show you the sign Jesus showed me. Here, how it looked like. And if you want to go there, sit on your sin, don't repent. Après cela, donc, ce genre de péché, je vais montrer ce à quoi ressemble l'enfer. Lorsque je m'en montre, si tu veux, reste là-bas, tu ne repens pas, tu iras là-bas l'enfer. If you know you are perfect, every time the Lord will go to heaven, but those that know that they are falling. One way or the other, because of this kind of sin, the Lord see our heart. You will come out and say, God, sanctify me. Si tu sais que tu m'as oublié, dis-le, Seigneur. Mais si tu sais que toi, tu es un clopin, n'est-ce pas? Lève-toi et tu vas dire, Seigneur, sanctifie-moi. He said, God, I want all those who have the heart of hatred. Il a dit, va prévenir ceux qui ont le cœur de haine. The spirit of malice. Le spirit de la malice. You don't talk to one another. Vous ne vous parlez pas les uns les autres. Spirit of gossip. L'esprit de commérage. You lie, you talk against one another. Le mensonge. Spirit of anger. L'esprit de colère. You scatter place where your heart is hot. Tu divises les gens, ton cœur chauffe. Lack of love. Le manque d'amour. Jealousy. La jalousie. Murder. Le meurtre. You say you keep people for property, you take them to Abalis for property. They learn the smell of sin. Tu voles les propriétés, les choses des gens, la terre est remplie de péchés de violence. Spirit of thief. Esprit de vol. You steal property, you stole before, all these things. Tu voles, tu fais de mauvaises, toutes ces choses. You steal in the office, you change money, you took something from your property, you go to somebody else, in your school, you steal something, your friend's property. Tu voles au bureau, partout.
Spirit of occultism. L'esprit d'occultisme. Idolatry. Those that are worshiping idol, all these juju things. L'esprit d'idolâtrie. Les gens qui adorent les juju. Spirit of witchcraft. L'esprit de sorcellerie. The Lord says, "I shall warn those that are walking in the witchcraft spirit that they will eat their flesh in hell." Ceux qui sont dans la sorcellerie vont manger leur chair en enfer. He says, "Warn those smokers." Il a dit de prévenir les fumeurs. Even those that are selling it, they call business that that money is a business. Même ceux qui vendent, qui vivent de l'argent de la cigarette. Drunkards, as warn those that are drinking alcohol. Les soulards, les buveurs. And even those that are selling it. Même ceux qui vendent l'alcool sont dans le même panier. He said, "As warn liars." Il va de prévenir les voleurs. That only not only your word that you lie, your hair, you change your hair, you put false hair, trousers, change your skin, change your eye, change your lip, change all your parts of your body, put false property, you are a liar that you go to hell. Que le menteur n'est pas seulement celui qui manque de sa bouche. Quand tu mets les cheveux qui ne t'appartiennent pas, tu manques de son de cheveux. Quand tu te décapes, tu deviens blanc, ce n'est pas ta couleur. C'est une forme de mensonge. Quand tu mets les lèvres, le rouge à lèvres, tu sais que tes lèvres ne sont pas rouges. Tu mets le charbon sur les yeux, tu es aussi menteur. Spirit of envy. L'esprit d'envie. Spirit of lust. La convoitise. The Lord said, all these sisters that are dressing sexy to make man love again, or you are dressing, say, on again Christian, you dress a way that is not good, another person is coming at you, you and that person will share the sin. That's why it's calling us to dress well. And even the men, they should dress well. Toi, ces femmes-là qui t'habillent avec des mini et des sexy, pour amener les gens à convoiter, tomber dans le péché, vous devez vous partager le même péché. Ou quoi, le jeune homme qui t'habille pour amener les gens à te convoiter, vous avez le même salaire du péché. Spirit of backbiting. L'esprit de calomnie. Persecutors, you persecute children of God. Ceux qui persécutent les enfants de Dieu. Tu te moques d'eux. Drug stealer. Les vendeurs de drogue. He says, "You want all those who want that are fighting." Il a averti tous ces gens-là. You husband that is beating the wife, or the wife that are fighting the slave, or young boys you are fighting. Les femmes, les maris qui tapent sur leurs femmes, ou les femmes qui bagarrent avec leurs maris, on doit prévenir. Nobody that is fighting will enter heaven. Personne qui bagarre avec sa femme n'entrera au ciel. He said, "Warn those who love the world, club in party." Avertis ceux qui aiment les boîtes de nuit, qui aiment le monde, les fêtes. That they should keep themselves busy in the spiritual things that will build up their heart. Ils sont occupés aux choses spirituelles. Not worldly things, all these movies that you see, like all the Christian movies. Pas d'aller regarder les films mondains, les films païens. That make no sense to you, that don't make you. Les films mondains, les feuilletons n'ont pas de sens, ça n'a pas de valeur. You waste your time sitting and vous perdez votre temps assis en train de voir les feuilletons. And you don't even know the Bible. Tu ne connais même pas la Bible. The Lord said you will not come to heaven. Le Seigneur dit que tu n'entreras pas au ciel. All those who are doing gamble. Tous ceux qui sont dans la loterie, le PNPC. The Lord said they are wasting their time, they will not come here. Le Seigneur dit qu'ils n'entreront pas au ciel. The Lord says you want lesbian, all these women to women making love. Je leur ai dit que j'avertis les lesbiennes. That they are committing abominations. Qu'elles commettent les abominations. That they will regret why I created them. Elles vont regretter ça un jour. Pourquoi je les ai créées? The Lord Jesus has warned homosexuals. Il a dit avertis les homosexuels. Men to men making love to each other. Les hommes qui couchent avec les hommes. When the Lord carried me to hell, the Savior said to show me that department. Lorsque le Seigneur m'a amené, il m'a montré le département en fait. En enfer, les homosexuels, c'est le feu rouge bien brûlé que les démons envoient dans leur anus. And the Lord said, those that are doing fraud, 419 business, fraud, duping people. Les gens qui volent, les voleurs. That all these things he's seen, they will not go to heaven. Ceux qui volent dans les affaires, qui jonglent dans les affaires, ils s'assinent dans l'envoi au ciel. All those who are taking bribe. Ceux qui sont dans la corruption. Want all my daughters and my son that are dressing naked. Avertis mes enfants qui marchent encore nus, qui laissent voir les parties intimes de leur corps. Tell them to take away attachment. They should leave their hair and play their natural hair. Their long hair is a glory to God. Dis-leur d'enlever leurs faux cheveux de mensonge, qu'ils aient leurs cheveux naturels. C'est les cheveux naturels qui sont la gloire que tu leur as donnée. They should proud of how I created. I want them to look natural. Qu'elles soient fiers de comment je les ai créés. The Lord said, tell them to take away jewelry now. These things are laid them. Dis-leur d'enlever les bijoux, les choses qu'elles mettent partout, les bijoux. That these are satanic things. Que ces choses, c'est des choses sataniques. Tell them to take away perfume. Perfume? Yes. Qu'ils laissent tomber le parfum, right? Yes. Makeup. Le maquillage.
all these things that is changing your face. Toutes ces choses qui changent la couleur de votre visage. Tell them to stop marking their body. Qu'ils cessent de mettre le tatouage sur leur corps. Tell them to stop bleaching their skin. Qu'ils cessent de se décaper. Warn them to stop dyeing their hair. This is a very for the old people. That they should not dye their hair, change the texture of their hair to black. Dis-leur de cesser de teindre ou de changer la couleur des cheveux, notamment les vieux, les gens d'un certain âge, qui ne veulent pas qu'on voit qu'ils ont les cheveux blancs comme moi. Ils mettent le noir. They should proud of their white hair. It's a glory to me. Qu'ils soient heureux d'avoir les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont la couronne du vieillard. Those that are doing masturbation, they will not come to heaven. Fallait dire que ceux qui se masturbent n'entreront pas au ciel. Those that are doing abortion, they will not come to my kingdom. Ceux qui commettent l'avortement n'entreront pas dans mon royaume. When all haters of the word of God, they will not come to heaven. Ils ne pourront pas entrer au ciel. Disobedient children to the truth. Ceux qui ont la haine, ceux qui désobéissent à la vérité n'entreront pas au ciel. When all those divorcees, those that have left their first wife, which is still alive, and the first husband are married to another person, they will not see my face. Va prévenir les divorcés, ceux qui divorcent et se remarient, alors que les femmes encore veulent le mari vivant, va leur dire qu'ils n'entreront pas au ciel. When all those who are lovers of the world are lovers of money, that the people of ceux qui aiment l'argent et qui aiment le monde. Want all those who are materialistic that this world will pass. Préviens ceux qui sont matérialistes que ce monde va un jour passer. And then the Lord turned to me. Et il s'est tourné vers moi. And said, go and warn the church. Il a dit, va prévenir l'église. And the pastors. Et les pasteurs. They should stop compromising my word. Qu'ils cessent d'entrer dans la compromission avec ma parole. They should stop loving money. Qu'ils cessent d'aimer l'argent. They should stop using false power and the God of power. Qu'ils cessent d'aller chercher la fausse puissance, n'est-ce pas? Je suis le Dieu de puissance. They should stop doing marriage together that I should warn those that are carrying wedding rings. Que j'aille prévenir les gens qui perdent les alliances. That the tradition of man has entered his doctrine. Les alliances sont les traditions des hommes qui sont entrés dans la Bible. That I should tell them. Que je les prévienne. Where he wrote it in the Bible from Genesis to Revelation that they should wear the ring, they will come and tell him when they die. Qu'ils me disent là où j'ai l'Apocalypse où on met les bagues pour se marier. Qu'ils me disent là où c'est écrit. Or when he comes, they will tell him. Ou bien vous allez me rendre compte quand je vais revenir. And if they did not prove it to him, show him in the Bible, they will go to hell. Si ne prouve pas ça par la Bible, sinon en enfer. Because he has told them that it's the word that joined them together, not the ring. Il a dit que c'est la parole qui les unit, ce ne sont pas les bagues qui les unit. It's the oath that you take, the oath that you take to swear to each other in the name of me, that will keep it together, not the ring. C'est le vœu que vous prononcez le jour du mariage, n'est-ce pas, devant Dieu, devant les hommes qui vous unissent. Ce n'est pas une bague qui vous unit. He said, it's not the ring that will make your husband to be faithful or your wife. It's the fear of me, the word of me. Ce n'est pas l'alliance qui amène un homme ou une femme à être fidèle à son mari. C'est la crainte de Dieu dans son cœur qui pousse un homme à être fidèle à sa femme. Ce n'est pas la bague. Go and tell them that the devil has given a false doctrine. Va leur dire que le diable leur a donné une fausse doctrine. That doctrine is not of me. Cette doctrine-là ne vient pas de moi. I want them to play for you life crime. I want them to show them life crime, a movie. Je veux vous montrer donc un film vivant. These are scientists that they were digging the ground. Ça, c'est des scientifiques qui creusaient le sol. Not to discover hell, but they were doing their own scientific. Pas découvrir l'enfer, mais ils voulaient, c'était des expériences scientifiques. And God made them to drill into hell. Et Dieu a permis qu'ils se sentent que le bruit et les flammes de la terre. And it's a mystery, it's a way that God really wants to reach out to souls that they have. Voilà la manière que Dieu essaie d'utiliser pour toucher les âmes. And these scientists start to hear horrible voices. Et ces scientifiques-là ont entendu des voix horribles. A terrible voice that made them to give their life to Jesus. Et ces voix terribles les ont poussés à donner leur vie à Jésus. And this thing was published in the internet. God made my husband to get in contact with it and see it on the internet and burn it out. Et il est arrivé que mon mari tombe dessus par le net et il a pris cela. You will see how people are crying here. Now, for you to know that hell is not a place that you will jeopardize your righteousness or you will leave hell. You will choose to follow hell for anything on this world because there's a terrible place for hell. Tu vas donc, quand tu vas voir cela, tu vas prendre vraiment la décision de suivre vraiment le Seigneur pour éviter l'enfer, parce que l'enfer est guéri, il n'y a rien à gagner dans ce monde-ci. And you know this sin that the Lord has mentioned, you have been doing it, your heart is still dirty with malice, with unforgiveness, with hatred, with jealousy, with backbiting. You know you can't stop this thing, this is still working. Jesus said, this kind of heart will never enter heaven. Your anger, everything, you will not enter heaven. Tu
fait que ton cœur rencontre des choses, la maligne, le mensonge, le vol, la jalousie, la haine. Jésus dit que ce genre de personne ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. All this piercing of hearing on your ear, all this back in your body, we have passed through this thing. You want God to sanctify you because this thing carries spirit. It's not only to remove the ear. You want to apologize that God forgive me, I will not do it again. I will take away trousers from my female child. I will make a holy life, I will dress holy. Forgive me for putting the lust in the heart of other men. I don't know how many men have lost after me because I was wearing trousers, my naked dress, drinking alcohol. You want God to sanctify you. You will come and say, God, have mercy on me. Toutes ces boucles, ces oreilles-là que les femmes baissent, ces pantalons que les femmes mettent, tout ce genre de choses-là, tu vas dire à Dieu, dès que tu as eu à faire cela, tu dis, Seigneur, je veux débarrasser de mes pantalons, j'ai maintenant suivi, Seigneur, je veux changer maintenant, tu veux que le Seigneur se sanctifie, tu vas prendre position et tu vas dire, Seigneur, ces choses-là, je les faisais avant, je ne savais pas, maintenant, je veux que tu me pardonnes, que tu me sanctifies totalement. Come and say, God, save me, because only you can save me. Et que tu dis, Seigneur, sauve-moi parce que toi, without Jesus, I'm nothing. Sans Jésus, je ne suis rien. Let them pray for you like this is
ne sait pas quand Jésus va revenir. That's why you hear a message like this, you prepare our attitude. Quand tu entends un message comme celui-ci, tu dois te repentir. Pas je prends la même personne en disant que j'ai honte. Begin to confess your sin to God. Commence à confesser tes péchés à Dieu. Please close your eyes and begin to confess your sin to God. Commence à confesser tes péchés à Dieu. Check your life where you have been sinning. Check your life. Examine ta vie là où tu as péché. Some of you, anything you say, you lie, you get angry, you vex. Tout ce qui est mauvais en toi, tu te mets en colère. You don't know how to stop this fornication, this adultery, this lust. Tu n'as pas trouvé la fornication, l'adultère. You don't know how to overcome jealousy. Tu connais la jalousie de la jalousie. Oh God, show me mercy. Que Dieu ait pitié de toi. If you really want God to show you mercy, this is not how you will pray. Si tu veux que Dieu te pardonne, c'est comme ça que tu vas prier. You will really pray and say, God, don't allow me to go to hell. Prie tout Dieu, aide-moi de pas l'enfer. Oh, your past life, oh God, show me mercy. Dis Seigneur, pardonne-moi de ma vie passée. Father, show me mercy. Seigneur, pardonne-moi. Certains d'entre vous n'ont jamais donné un seul âme au Seigneur. Tu n'as jamais soutenu l'œuvre de Dieu. Tout ton argent, c'est pour acheter les choses mondaines. Faire les choses mondaines. Certains n'achètent même pas la Bible. The Lord is not happy with you. Le Seigneur n'est pas content. I say, ask the Lord for mercy. Demande au Seigneur de pardonner. If you die now, where will you make it? Si tu meurs là maintenant, tu vas aller où? Where will you go if you die now? Quand tu meurs maintenant. If you say maintenant, si ce n'est pas une revient, mais tu iras où? Amen. If you know you want the Lord to show you mercy, you are far short of this thing. That the Lord is saying, you know yourself, you know you are a sinner, you want God to show you mercy, please come in front. The Lord says you come in front and then he will forgive you. Si tu sais que tu as vécu dans ces choses, tu les as pratiquées, tu veux les abandonner, tu veux que le Seigneur te pardonne, que Dieu vous ait miséricorde. Tu vas t'avancer ici. Tu veux prendre un nouveau départ. Tu as vécu dans ces choses. Tu les as pratiquées. Tu les as même mises. Et tu veux prendre un nouveau départ. Tu veux être sanctifié. Tu peux t'avancer ici. Et nous allons prier pour toi. Don't look your neighbor. Don't be ashamed if you are ashamed of God today. Regarde pas ton voisin. Moi, je peux t'avancer. If you know the Lord come today, or you will die at any time, or the rapture take place tonight, you will not be able to come and say, God, show me mercy. As you are coming, be crying and be praying. The God will not cry in hell. I will cry on earth, show me mercy. All the abortion I've been doing, disobedient to my husband, all the fighting, all the lying, all the stealing, all the gossip. Oh God, show me mercy. Jesus, show me mercy. Write my name back in the book of life. Oh God, show me mercy. I'm stolen before. I'm a wicked boy. I've committed fornication. Oh God, show me mercy. I've put a son down. I've kept a marriage, but I've scattered a hope, oh God. I've lied against somebody. I've persecuted others. Jesus, I was saying this message is a lie. Oh Lord, I've lied against you. I've mocked your name. I've been practicing Amalek's juju business. God, show me mercy today. I've been prostituting my body for money. Oh God, show me mercy. Lord, I don't want to die today. I want to die. I don't know the time you will call me home. Oh God, show me. I don't know the time I will die and the time you will come. Jesus, show me mercy today. I confess of my sins. Pray, don't open your eyes and watch the Lord. Concentration, Jesus. Cry and say, God, show me mercy.
à ton mari.
place, ne remets pas à demeure. Reste ici même après la sortie, qu'on détache ce que tu as sous la tête. Ne dors plus avec ça. Salle, qui ne soit plus la même personne. I'm not going to be the same again.
Laisse-moi Dieu te bénir de tout ton cœur.